Hello l'équipe, ça dit quoi le chat? Ça dit quoi les gars? Est-ce que vous allez bien? On est parti pour un nouveau live. Deux lives dans la même journée. Est-ce que c'est pas beau? Deux lives dans la même journée. C'est incroyable ou pas? Ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien dans le chat? Oh là 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 là, je suis content! Je suis content frérot! Yo Christelle, yo bonsoir la population, yo Lina, yo Meina, le gamer Zoé, Nixoc, Loulou, Rodolphe, Julie. Comment ça va le chat? Est-ce que vous allez bien? Vous m'avez manqué depuis 16h là. Yo le Mich, ça dit quoi les gars? Est-ce que vous étiez là sur le live tout à l'heure? Ça fait plaisir les gars, yo tous ceux qui sont sur la rediff, je pense à vous ceux qui regardent les rediffusions, vous êtes les boss aussi. Ton micro, on m'entend pas? Merde, c'est pas le bon micro! Attends. Normalement, là, c'est... Oh, merde! Merde! Attendez, je vais régler ça. Normalement, je sais comment faire. Normalement. Attends. Mais attends. Ah! Je panique! Les gars, c'est réglé dans 2 minutes, vous inquiétez pas. En fait, il faut juste que je trouve c'est quoi le nom du bail. Ah, c'est bon. Ok. Magnifique! Normalement, c'est bon. Normalement c'est bon, normalement là vous m'entendez bien. Yo le chat, du coup je disais yo les gars. Vous allez bien ou pas? Ok c'est parfait. Yo tous ceux qui sont là. Yo l'équipe, yo Nathalie, yo Lorraine. Yo tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. Yo tous ceux qui sont sur la rediff, qui regardent le live plus tard, qui pouvaient pas être là. Les frérots, on est reparti pour un nouveau live. Deux lives dans la même journée. Est-ce que c'est pas magnifique comme ma veste? On va pas se mentir, ma veste est très belle aussi je trouve. Gaëtan, merci pour tes... Je divague hein. Je raconte ma vie. Gaëtan, merci pour tes 5€ mon frérot. GG pour ta vidéo avec Absol. Fier de toi. Et GG avec les croutons. Ok, et eh ben ça fait plaisir. Merci mon ref. London, merci pour ton sub. 5 mois de sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Wesh Mich, je suis du Québec. Et eh ben ça fait plaisir, ça me suit de partout. Antonin, merci pour tes 5€. Aberrant frérot. C'est vous qui êtes aberrant les gars. Vous êtes aberrant le chat. Aurélien, merci pour tes 2€. Bref. Les amis, sachez que c'est mon dernier live avant que je parte en Égypte. C'est mon dernier live, après je pars en Égypte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé vite fait sur Insta, mais je vais partir 10 jours en Égypte. Donc c'est du 21 au 31 ou au 1er avril, je crois on rentre le 1er avril. Sachez que j'ai trop hâte. Vous allez me manquer pendant 10 jours parce que ça va être bizarre frère. Parce que je vais faire des stories et tout quand même, tu vois. Mais je vais pas me forcer. C'est-à-dire, il y a moyen, il y a des jours où vous avez pas de story. Il y a des jours où vous allez avoir 2 stories. Ou peut-être que si ça se trouve, au final, je dis ça et je vais faire 20 stories par jour. Parce que l'Egypte, frérot, je rêve tellement d'aller en Egypte que je vais être émerveillé par tout ce que je vais voir. Oui, je pars avec Elsa. Je pars avec Elsa, on part tous les deux. Et du coup voilà, sachez que j'ai hâte de partir parce que là je vais pas filmer, j'ai pas prévu de faire de vlog ou quoi que ce soit. Donc ça va changer mais voilà. Bref les gars, je suis en retard, je vous explique. On s'était donné rendez-vous avec Walouf à 18h05 et 18h06, frérot j'ai une minute de retard. Les amis, j'espère que vous êtes prêts, merci à Clash Royale qui me font confiance et qui sponsorisent ce live, c'est les boss. Ça fait plaisir parce qu'en plus j'ai pas live Clash Royale depuis cette coupe frérot. J'ai pas live Clash Royale depuis cette coupe en fait, je suis en train de me rendre compte. Depuis cette coupe j'ai pas live Clash Royale. Du coup il va falloir qu'on mette ça à l'honneur aujourd'hui. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, sauf que en ce moment dans le jeu Clash Royale, les amis, il y a un petit truc particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et de toute façon, on va en parler avec Walouf et tout.
parce que il vous expliquera mieux que moi. Il vous expliquera mieux que moi. Mais regardez, on est sur le jeu et si on va dans ce petit onglet, défi spécial The Royal Crown Down, The Royal Crown Down. Je le dis bien ou pas? The Royal Crown Down. Je sais pas si je le dis bien. Bref, je vais rejoindre le ouf. Mais en gros, les gars, c'est une compétition mondiale que Clash Royale a lancée, qui a commencé le 12 mars et qui termine le 24 mars. Donc là, on est en plein dedans. On est là justement pour participer. On va rejoindre le ouf. Il va tout bien nous expliquer. Alors attendez. Paf, Discord. Il est juste là. Je... Ouais BG. Ouais, ça va quoi? Ça va et toi? Ça va super, dis-moi juste si tu m'entends bien direct ou pas, parce que c'est possible qu'avec ma connexion j'ai des petits lags. Je t'entends très bien. Ok, bah parfait alors. Ok, toi aussi tu m'entends bien? Non, en vrai écoute, parfait hein. Ok, et bah magnifique. Frérot, ça fait plaisir là. Mais attends, mais en live et tout, on s'est jamais parlé comme ça à deux. Non, en vrai, non, bah, tu sais que tu m'avais demandé la dernière fois sur ton live si c'était possible qu'on fasse un live où je te coach. Ouais. Et tu m'as jamais donné suite. Bon, après, te connaissant, je me suis dit que c'était normal. mais c'est vrai que du coup, quand on m'a dit, ouais, l'invité Mister, ce sera Michou et tout, j'étais en mode, waouh, c'est incroyable, tu vois. Ouais, mais en vrai, ça fait plaisir, hein. Gros, j'ai hâte. Mais par contre, il va falloir que tu m'expliques et que tu me coaches aussi pour le 2 contre 2, tu verras. Mais j'ai pas tout suivi exactement. C'est-à-dire? Bah, la compète et tout. En gros, toi, t'es capitaine de la France, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça. En gros, du coup, il y a un événement communautaire. Il y a un événement communautaire, tu sais, pour les 6 ans de Clash Royale. Et du coup, il y a eu 12 capitaines qui ont été choisis de la part de Supercell pour représenter une équipe. Donc, tous les joueurs, à l'heure actuelle, peuvent rejoindre une équipe sur le site royalcrowndown.com, je sais pas quoi, là. Et du coup, en fait, le but, c'est d'avoir le meilleur win rate journalier. Donc, le premier défi, c'était le tournoi mondial. Il y avait le tournoi mondial qui a duré 5 jours. Donc, toutes les équipes se sont affrontées, etc. etc. Okay. Et enfin, il y avait un win rate global par équipe. Donc, du coup, après, il y a une sorte de classement, il y a des points. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, il y a un classement. Et l'équipe gagnante, à la fin, aura une récompense unique. Donc, nous, à l'heure actuelle, on est loin du top parce que les deux premières équipes ont vraiment beaucoup, beaucoup d'avance. Mais nous, on est 8e à l'heure actuelle, 8e sur 12. Ok, ah ouais, ok. Ah ouais, c'est dur, hein. Il va falloir remonter ça là. Mais du coup, ce qui est lourd, parce que du coup, si j'ai bien compris, tous les gens là qui regardent le live, etc., s'ils participent au défi, ils choisissent leur équipe et ils nous font monter dans le classement. En fait, c'est ça. Il faut rejoindre le site, faut se connecter avec son Supercell ID, du coup, c'est ce qui est relié au compte CR. Et quand tu te connectes, en gros, quand tu vas arriver sur la page du navigateur, tu vas pouvoir choisir entre les 12 équipes. Tu rejoins l'équipe et t'as rien besoin de rien faire après, tu vois. Genre, ouais. Directement dès que t'as rejoint l'équipe, tu vas jouer après dans le défi de V2 et ton win rate sera pris en compte pour l'équipe. Ok, en vrai, c'est incroyable, hein. Mais en vrai, c'est incroyable. C'est juste dommage, il n'y a pas assez de récompenses parce que du coup, on a des récompenses à donner. Là, en ce moment, il y a les écus magiques. Donc, c'est les pièces magiques dans le jeu qui te permettent d'améliorer une carte à la place de l'or. Donc ça c'est dommage, ouais. Parce qu'on en a que magique, c'est incroyable, hein. Ouais, mais malheureusement on en a que 90 alors qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens dans les équipes. Ah oui, ouais, j'avoue, c'est vrai, ok. C'est un petit peu léger, mais bon, à part ça, je t'avoue que l'event est cool et il y a une sorte de classement, une sorte de fil rouge, donc c'est plutôt sympathique et il y a surtout... Mais c'est ça qui est lourd, c'est la première fois qu'ils font un event aussi gros Clash Royale, je crois, hein. Pour les autres anniversaires, c'était une seule émote. C'était juste une émote, donc c'était un peu à l'arrache. Là, il y a déjà eu deux émotes gratuites, parce qu'il y avait une émote. Bon, par contre, il fallait participer dès le jour 1 pour avoir l'autre émote. Mais sinon, à la fin, comme je t'ai dit, du coup, l'équipe gagnante reçoit une récompense unique que seule l'équipe gagnante aura. Et on a également un défi mystère qui arrivera le 24 mars, je crois. Je sais plus exactement la date, mais il y aura un défi. Mais moi, je suis pas au courant de ce que c'est. Ça va vraiment être apparemment un truc incroyable, donc à voir. Ok. Bah ça tue. Et du coup là, si je comprends bien, c'est défi 2 contre 2. C'est ça, on en devait 2. Donc comme ce que t'as fait sur le tournoi d'Inox. Mm. Où je t'avais coaché avec le deck. D'ailleurs tu m'avais coaché avec Pascal et on a gagné notre 2 contre 2 avec Pascal, frérot, ça c'était incroyable, non? Bah ça, écoute, j'étais plutôt content. J'étais plutôt content. Ah ouais, bah ta technique elle avait bien marché. Mais je t'avoue là, moi, tu sais que 2 contre 2 ça met une pression de fou. Parce que déjà je joue avec toi. Donc... Mm-hmm.
toi, je sais que tu feras pas d'erreur. On va essayer de pas en faire, oui. Voilà, donc je sais que s'il y a un mec qui peut ruiner les games, c'est moi. Donc ça met la pression déjà. Et en plus, 2 contre 2, je joue très rarement. Alors, pour te mettre encore plus la pression, dis-toi que hier, j'ai fait un live où justement je jouais un peu avec les abonnés, etc. Parce que j'ai plusieurs comptes, moi j'ai pas qu'un seul compte. Donc j'essayais de faire le win rate sur un maximum de comptes. Et on a perdu qu'une seule game. J'en ai fait facilement 15. Ok, donc, bah vas-y, pression, un peu plus, frérot, on va essayer de continuer dans ce ratio, hein. Bah écoute, hein, est-ce que je t'en ai... Ouais, je t'en ai mis sur le gros compte. Ouais, on s'est en ami normalement, ouais. Ouais, ouais. Alors moi, malheureusement, je suis déjà en 4-0, mais t'inquiète pas, si moi je finis le défi, j'ai un autre compte, je t'ajouterai en ami. Ah, t'es déjà... Ok, juste... ah oui, parce qu'à 9 victoires, ça s'arrête, ouais. Ouais, 9 victoires, ça s'arrête, mais parce qu'en fait, du coup, moi, ce que j'ai conseillé de faire à mon équipe, du coup... Parce que imaginons, le premier jour du défi, tu fais 9-0. Alors c'est bien, t'as perdu aucune game, donc ton winrate est de 100%. Donc c'est cool parce que tu ramènes 100% de winrate à l'équipe. Le souci de faire ça, c'est que les jours suivants du défi, bah ton winrate, t'en as pas vu que tu vas pas participer au mode de jeu, tu vas pas redonner un winrate à l'équipe. Donc ce que je faisais, moi, c'est une à deux games par jour, j'essayais d'assurer mon 100% de winrate. Et comme ça, bah tous les jours, je participe au winrate de l'équipe. Ok. C'est ce que je veux dire. Ah oui, je capte. Donc, ça, c'est pour perfectionner la chose, tu vois. On est allé jusqu'à perfectionner la chose, mais bon. Ouais, t'es rentré dans les détails, mais il faut, oui. T'as raison. Ouais, mais okay. Malheureusement, ça suffit pas parce qu'on est tellement nombreux que bah, finalement, tu vois, le win rate des équipes en moyenne, c'est 50, ouais, un peu plus de 50% par jour, tu vois. Ouais. Donc une game sur deux perdue. Tu vois, c'est pas aussi simple que ça. T'inquiète, là on ramène un win rate de 100%, fais-moi confiance. Vas-y, bah écoute, tu veux partir sur du golem, j'imagine. En vrai, moi, c'est comme tu veux, je peux m'adapter, mais si on part sur du golem, ça m'arrange. Bah justement, on va partir sur du golem, je sais que t'es plus à l'aise avec ça et je pense que ça sera mieux. Vas-y, je suis chaud. Écoute, moi, j'ai déjà un deck golem de près, voilà, je te dis. Voilà. Ah ouais? J'ai déjà un deck golem de près. En vrai, tu peux prendre ton... Dis-toi que vraiment, ce que j'ai conseillé, j'ai fait une vidéo justement où j'ai expliqué un petit peu les decks à prendre en 2v2. Et ce que je conseille généralement, c'est de prendre des decks, tu vois, enfin un joueur qui aime bien jouer cochon, bah, vaut mieux qu'il prenne son deck à lui qu'il aime bien, mais avec un mate où ça va être complémentaire. Exactement ce que je t'ai expliqué la dernière fois avec Pascal, c'est que c'est bien d'avoir des decks qui se ressemblent, mais pas complètement, tu vois. C'est bien également qu'ils se complémentent. Parce ok, que, je bah, capte. C'est la force du 2v2. Okay. Du coup, on va pouvoir partir sur deux golems, ça peut être pas mal. Et moi, ouais. Je vais avoir des cartes un peu différentes des tiennes, tu vois, dans mon deck golem. Par exemple, okay. Je vais jouer du clone personnellement. Ah, mec, le clone avec le golem, c'est incroyable. Hein. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça que. Ah, mais en plus, double golem clone. Ah oui, ah oui. Très bonne idée, le clone. T'es chaud. T'as compris le délire. Ouais, j'ai capté. J'ai capté. Voilà. Ok, bah, vas-y, moi, en vrai, c'est quand tu veux. Hein. Bah, écoute, je vais t'inviter dans la game. Attends, tac, tac, tac. Hop. Voilà, mec, t'as reçu la demande. Oh, ça part. Ah ouais, en plus, je vois ton deck. Attends, j'analyse un peu. Ah, mais je connais ce deck en plus. Bah c'est connu, golem clone. Ouais, bah, pas avec le clone, mais tu sais, le golem sorcière de la nuit, roi squelette. Il y en a beaucoup qui jouent ça aussi. Ouais, c'est un bon deck. Vas-y, c'est qui part. Oh, bah, frérot. Écoute, hein, c'est parti. Mec, j'aime trop l'arène d'anniversaire, elle est incroyable. En vrai, elle est cool, Pita. Je sais pas si t'as vu, mais elle est animée. Ouais, mais ouais, c'est vrai, derrière ça bouge, genre. Je pars sur un golem fond de map. Vas-y. Ok, t'aurais peut-être dû mettre moi la sorcière d'Annie. Ok, on va se parler. Mais ouais, c'est vrai, excuse. t'inquiète. C'est pas grave, je vais poser bébé dragon moi derrière. Je vais plutôt le mettre là. Vas-y, moi j'attends un peu. Là, j'ai un zap pour le zappy, je l'utilise, non? Non, on va pas le mettre maintenant. Ok. Le golem, à la limite, on va le laisser mourir. On va juste essayer de dépeupler les troupes qu'il y a derrière. Ok, pas de problème. As-tu activé Kappa? Ouais. Nice. Vas-y, je peux défendre, je dev. Ah, ok, merde. Ah, t'inquiète. Putain, c'est ça le problème du 2v2 en fait. Ouais. C'est qu'on va vouloir défendre tous les deux en même temps. Ouais, c'est pour ça vraiment que la communication est très très importante. Ouais, de ouf. Mais là, c'est notre premier combat à deux, on va un peu galérer, mais on va se comprendre avec le temps. Exactement. Ok, je vais poser golem fond de map, j'attends d'état 10. Ok, je fais élixir, quoi, moi non, juste au-dessus de mes cartes, tu vois mon élixir. Ouais. Tu pourras mettre sorcier de la nuit derrière. Vas-y, pas de problème. Ok. C'est en vrai, on défend pas, on peut ignorer. Ok. Ok, parfait. Voilà, on prépare un push, hein.
Oui, c'est ça, exactement. On va préparer un bus. Ok, okay, d'accord. Ça c'est un peu chiant. Je peux partir barbare d'élite de l'autre côté, non? Ah non, pas maintenant, en vrai. Ouais, en vrai, ça va être dangereux de faire ça. Golem fond de map. Il défend bien. Et défend déjà. Merde. Alors, mes squelettes, j'ai défendu tardivement. T'inquiète. Ça va, pas grave, je défends bien, mais on va être plus fort en x2. Hein. C'est la puissance du golem, c'est surtout le x2. Ok, je vais mettre sorcière de la nuit fond de map. Ok, j'ai mis le golem devant. Parfait, nickel ça. Oh, okay. Ils ont l'air agressifs aussi là en face. Hein. Ok, je vais faire ça. Tu pourras mettre voilà, reine. Ok, d'accord. Ok, je vais défendre à droite, je défends à droite. Vas-y. Oh là frérot. Là frérot, y'a un push qui arrive. Ils sont pas bien. Oh, j'aime bien ce que je vois. Ah, je vois tout mon. Oh dommage, le clonage sur la bûche, ouais. Eh, ils ont bien défendu quand même. Hein. En vrai, ça va, ça va. Ça... Oh, la capa est parfaite. Oh, la capa. Ça passe. La tour qui est prise, monsieur. Je mets la pression de l'autre côté avec les barbares d'élite. Ok, vas-y, bah moi je pars au mid du coup. Allez, ça part. Bon là on s'amuse. Oui oui là c'est win, charmant. La première victoire. Aïe 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 c'est beau. En vrai facile hein. On a eu du mal au début mais t'as vu à partir du x2 bah, c'est vraiment la force du deck golem hein, forcément là. Ouais frère le hey, mais tu sais qu'en fait je pense que je vais kiffer le 2v2 hein, le 2v2 deck golem. Bah c'est tellement en fait vraiment surtout qu'on a des decks comme je dis un petit peu complémentaires, on peut bien défendre tranquillement au début, t'as les barbares d'élite toi au terrestre, moi j'ai les bats et l'armée de squelettes en plus en terrestre, donc enfin les bats pour l'aérien, mais du coup ça peut être vachement intéressant. Et puis le clown t'as vu à la fin, bon certes on l'a raté, mais s'ils ont pas ouais. de choses pour gérer, pas de sort, ça peut vraiment très enfin ça peut rapidement faire mal quoi. Bah surtout quoi, ouais, t'as les chauves-souris, on a tous les deux l'armée de squelettes, donc si même s'ils ont des flèches ils vont les utiliser, et après tu sors un clonage, ils peuvent plus rien faire. Et j'ai le roi des squelettes aussi, tu sais, j'ai sa capacité. Ouais, ouais. Frère, donc tu vois, c'est... Voilà, tu vois, t'as compris le délire. Ok, du coup, je te réinvite. Bah écoute, première game, première win. Allez. Hop. En plus, là, du coup, là, t'es en 5-0. Ouais, moi, je suis en 5-0. Mec, faut que tu restes en 0, hein. T'inquiète. Moi, dans tous les cas, on va te faire faire 9-0, quoi qu'il arrive. Oh, magnifique. Je sais pas trop quoi faire là. J'ai un golem qui arrive après, donc à la limite. Vas-y, ouais, on aurait peut-être dû défendre à droite. T'aurais peut-être, tu vois, on la mettait à droite merde, là, j'aurais pu défendre Valkyrie. T'inquiète pas, toi. Là, à tout moment, on fait tous les deux la même chose. Je mets le golem. Non, fais pas ça. Ah merde, merde, l'ai mis. Faut défendre, ok, t'inquiète, je m'en occupe. Ah putain. Oh, t'as très bien défendu. Moi, je défends à droite, t'inquiète. T'as très bien défendu. Wow. Ah, du coup, ta flèche. Bon, bah, je tue la sorcière au moins. Ouais, mais regarde. Ah, je n'ai plus Kappa. Attends, regarde la Kappa à droite. Oh là là. Regarde, au final, ils ont pas su vous donner de la tête. Attends, Mini PK, il peut faire mal. Eh bah, écoute, là, eh bah, voilà, frère. Voilà, Michou. Bah, c'est comme ça qu'on joue. Mais voilà, c'est ça. Mais tout était calculé. Okay. Y a pas eu de panique. Bah, écoute. Vraiment pas, vraiment. Je me suis dit, ok, la défense c'est Gucci, me laisse défendre, il a confiance. Voilà, c'est ça, t'as compris. Moi je partais attaquer, toi tu défends. Exactement. Allez, vas-y, tu peux mettre un métro au mid. Oh, ça c'est beau. Un tout petit peu trop tôt parce que du coup, le dragon de l'enfer il prend pas le focus, mais tranquille. Ouais, c'est vrai. Oh, mais regarde, il est défendu quand même. Bon, après, on va 3 couronnes. Non, Michou, on va 3 couronnes. Faut se respecter, ton joueur golem, Michou. Bah, je suis d'accord. Oh, okay, oh le défense, cochon, il veut pas passer. Hein. Le cochon, il veut pas passer. C'est vrai que sur la défense, faut qu'on se parle. Oui, mais c'est vrai. Mais en fait, en plus, je te vois poser la carte et je pose au même moment parce que c'est le réflexe. C'est le réflexe. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est horrible. Ok, je pose golem fond de map. Ok, vas-y, ça part. Vas-y, je vais partir en défense. Ok, nice. Plus capable je pense hein. Ouais. Ok nickel. Tu pourras partir sur Sardani derrière un autre golem. Ouais, s'il décide de pas défendre, il va être dans la sauce hein. Ok. T'auras l'armée squelette pour la gauche. Ok, archer. Ah oui j'avoue j'aurais pu mettre armée. T'inquiète, on va se faire. Frérot, je crois que je vais brûler hein. Vas-y hein. De toute façon là c'est le moment hein. Voilà. Oh lolo. Ah l'armée de squelette c'est peut-être.
Oh non, ça passe. On va mettre la pression. T'as mangé la Valkyrie. Allez là. Allez là, elle prend le coucou. Voilà. Ça passe. Oh, c'est trop fort. Ah, c'est beau. On vous l'a dit, on vous l'a dit, on vous a prévenu les lives. Et on va tout simplement full 3 couronnes. Et le défi va être gagner. Express. Il va être dans express. 5 minutes, le stream est fini. Non mais, Walouf, je t'avoue, moi j'ai l'honneur de jouer avec toi. Je suis pas là pour perdre. Je ne peux pas jouer avec toi et faire une défaite. Je m'en remettrai pas. Ah mais je m'attends pas à perdre la Michou, je t'avoue, parce que sinon je regarde plus tes vidéos et je mets des pouces rouges sur chacune. Ah oui, ok, t'inquiète. T'inquiète, je vais me concentrer. Vas-y, ça part. Ah, ok, on enchaîne. En vrai... Pourquoi c'était pas écrit en français? Parce que des fois ils changent un petit peu les langues. Ok, c'est trop marrant. Je pense que game d'après, je mettrais bien un bûcheron à la place de moi, l'armée de squelettes. Pour avoir un sort d'orage. Ok, ouais. Ah, ouais, ouais, j'avoue, ça peut être. Ouh. Ça peut être violent. Ok. Ah, oui, ils sont violents aussi, eux. Bon, ça va pas se créer, mais regarde les bêtes. Les bêtes, ça carry. Voilà, parfait. Oh, c'est beau. Ok, on va activer la capa. Je vais flèche, flèche. Aïe. Trop magnifique, du coup les bats elles se font tuer. Je pars sur un golem. Ah merde. Ok, je vais défendre, t'inquiète. Ok, parfait. Ok. Nice, ça, parfait ça. Ça c'est beau ça. Très beau, très beau. Mais par contre c'est dard, en fait en 2v2 le golem est trop fort parce que le problème du golem en 1v1 c'est que quand tu le poses et que le mec attaque tu peux rien faire. Ouais, alors que d'accord. Là, je pose un golem, toi tu peux défendre derrière, tu vois. Bah c'est ça, c'est pour ça que c'est bien d'être complémentaire. Après moi, je t'avoue que le 2v2, j'étais pas un gros joueur de 2v2 de base. Et c'est pas un truc qui m'a attiré, mais là j'en ai fait du coup avec le défi, franchement c'est assez kiffant à faire, tu vois. Ouais. Bah c'est vrai, même, bah en fait moi le problème du 2v2, ce que j'aime pas trop, c'est que bah, c'est le manque de communication en fait. Ça peut trop vite me faire rager. Ouais, il faut toujours être en vocal avec quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, en vocal, en Discord comme ça, c'est trop bien. Ouais. Bah, la preuve, on regarde la tour, elle est. On a déjà quasiment pris leur tour. Elle est à 80. Je vais repartir le golem, hein. Vas-y, moi j'ai une petite sortie de la nuit pour mettre derrière. S'ils attaquent, j'ai de quoi défendre. Ok. Je vais flèche, tu peux. Ouais, vas-y, défendre. Parfait. Nickel. Ok, ça passe. On va pouvoir bourriner à gauche là. Oh là frérot. On va partir sur un peu du futur. Hein. C'est vrai que là, un petit bûcheron. Oh, ok, c'est bon, l'armée de squelette elle arrive après. Ah, j'ai pas eu le temps de capa. Ok, Dieu. Ok, nice. Ok, ça va, ça passe. J'avoue que le bûcheron aiderait tellement parce qu'en fait, on met trop de temps à tuer les troupes là. Même ouais, avec nos gros push. Il faut absolument. Je pense que ça passe pas dans le cochon, attends, il fait mal en fait. Ah oui, en fait, je pensais que la reine allait continuer le focus. Mais pas ouais, du ouais. Tout. Voilà, double okay. Golem défensif. Oh là là, ah oui. Ah oui, on s'impose. Ah oui, on défend ici, voilà. Ça me rassure parce que je fais les mêmes moves que toi. Je pose mon armée de squelette et je te vois poser une armée de squelette. Je me dis, bon, c'est que je joue pas si mal, hein. Ouais, on a les mêmes idées, écoute. Hein. Non, mais en vrai, j'en parlais avec Dwagby parce que je sais pas si t'as vu, mais je l'ai coaché pour votre BO de. Ouais, de j'ai vu. J'ai pas trop aimé, mais ok. Ouais, écoute, il m'a payé, c'est faux. C'est faux, mais. Mais du coup, je lui ai expliqué que toi, t'as une grosse analyse de jeu, tu vois. T'as une grosse analyse de jeu. Après, forcément, bah, tu travailles pas de jeu comme moi ou comme d'autres qui sont très très bons. Mais pour le peu de temps de jeu que t'as, déjà, être quasiment. Quasiment 6-6 ton record, hein, je crois que j'ai vu fin de saison ouais, dernière. Ouais, j'ai tenté les 6-6 frère, j'étais à une ou deux victoires et j'arrivais pas et ça m'a fait péter un plomb. Ouais mais voilà, tu vois, t'étais pas loin et ça prouve quand même, alors que je t'ai créé le deck vraiment, je te le dirais pas à l'arrache mais pas loin, juste avec tes cartes et tout que t'aimais bien, j'étais en ouais, mode ok, c'est je mets ça là. Et finalement tu vois, tu fais quasiment 6-6, donc tu vois, c'est que t'as une bonne analyse, bon après forcément c'est ton deck, enfin ta carte principale, le golem, donc tu sais jouer autour de ça, mais c'est quand même très très fort de s'adapter au deck comme ça quoi.
Ouais. Hop. C'est beau, merci. Bah de rien, écoute. Hop. Allez, ça repart. Ça repart, frérot. Écoute, hein, pour l'instant, bon, le win rate m'a l'air plutôt pas mal, hein. Bah écoute, tant qu'on fait des victoires, tant qu'on fait pas de défaites, c'est 100% de win rate, donc ça, c'est cool. Ouais, j'avoue. Ok, c'est parti, okay. Je sais pas trop quoi faire. On part fond de map, hein. On part fond de map, tranquillement, on s'installe en défense. Je vais poser ça devant. Un bébé dragon, ok. Qu'est-ce que ça peut être avec jeu, en vrai? Ouais, les decks géants, à chaque fois, j'ai du mal à les imaginer. Boule de feu, c'était la pire boule de feu. C'est pas grave, t'inquiète. Parce que boule de feu flèche, ça tue la reine des archers. T'inquiète, def. Ok, parfait. Ouais bah en fait, c'est ça, mais... Je m'attendais pas à ce que tu mettes... Ah, j'aurais peut-être dû en mettre squelette, là. Ouais, t'inquiète, tu pourras la mettre à droite. Mets-la à droite. Ouais, parce qu'en fait, là, boule de feu flèche, tu pouvais... Oula. T'inquiète. Oh la double arme et squelette. Ils étaient pas prêts, hein. Eh d'ailleurs, t'as oublié de mettre le bûcheron. Oui, j'ai oublié de mettre le bûcheron. On mettra game d'après. Je crois que je suis capable avec ma reine, mais ok. Ouais, en fait, ouais, quand c'est comme ça, tu es capable. Même si tu prends un coup de prince nébreux, vaut mieux prendre un coup de prince nébreux sur la tour que de prendre un coup sur ta reine. Wouah! Ok, on va prendre des dégâts, c'est obligé. Ouais, on va prendre même très cher. Wouah, on va prendre cher! Ouais. On perd pas la tour, t'inquiète. Combat un peu plus compliqué là. Hein. Mets Bervardier derrière mon pêche. Vas-y. On fait chier la Valkyrie. T'inquiète. Ok, c'est bon, la Valkyrie elle tombe. Et là, j'avoue, ça peut faire mal. Oh le. Oh, ok. Oh le clown qui. Oh, let's go, grâce à mon clown. Ok, il y a les deux bébés dragons derrière. Oh là là, ça prend la tour. Ok. Oh là là, le clown parfait, en fait, ça a esquivé la boule de feu, quoi. Putain, ouais. Let's go, ok. Bon, faut défendre, veux... n'oublie pas qu'il joue ballon. On défend, ouais. En vrai, pour le ballon, j'ai la reine. Eh frérot, je vais faire... Ah, mais j'avais oublié le géant. Oh. Ah oui, ok, bon, là, ils sont... Là, je pense qu'on va forcément perdre la tour, hein. Ouais, ça va être compliqué de défendre. Faut juste pas qu'on se passe 3 couronnes. Ah ouais, j'avoue, sa mère. Non, c'est bon. Il n'y aura pas 3 couronnes. Okay. Et là, il peut y avoir un beau contre-push. Ouais. Là, il peut y avoir un beau contre-push. Ok, c'est pas mal. C'est beau, ça. Ça va prendre la tour, ça, monsieur. Ça prend la tour, ça, monsieur. Voilà. Oh là là. Oh, j'ai eu un petit peu plus peur là sur cette game, hein. En vrai, le ballon, ouais, il nous a surpris un petit peu parce qu'on avait pas grand chose là de. Enfin, on avait que des troupes fragiles donc leurs flèches ont fait mal, mais ça va derrière, on s'est rattrapé sur le push. Ouais, de ouf. Et le bon clone, hein. Oh, le clone à droite là qui permet au barbare d'esquiver la boule de feu. Ouais, le clone, oh, il était magnifique. En fait, alors, le pire c'est qu'il y a eu la méga boule de neige et t'as mis le clone juste une seconde après. C'est ça. Et du coup, après, la boule de feu qui a été ratée. Ouais, c'était tendu, mais elle était belle. Magnifique. Le chat, ils m'ont rappelé bûcheron. Ils m'ont rappelé bûcheron. Ouais, je t'ai mis, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, ils sont en train de spammer aussi, là. Ah ouais, ok, ouais, ils sont à l'affût. Frérot, j'ai débloqué un petit coffre du roi. Enfin, coffre à couronne. Fais-toi plaisir. Voilà. Et bah, c'est reparti. Est-ce qu'on partirait pas sur la 5ème victoire, là? Bah écoute, moi si je gagne ça là, j'ai fini le défi sur ce compte, hein. Voilà. Ah ouais, bah mais moi je vais être à 5 déjà. T'inquiète, j'ai un défi. Je pars sur un golem. Ouais, vas-y. Parfait. T'as vu, je l'ai décalé un peu, comme ça tu mets ta sorcière de la nuit. Écoute, hein, ça s'adapte. Je te laisse défendre. Hein. Ah okay, merde. C'est pas grave. On assume les dégâts ici, c'est comme ça que ça marche. Merde. Par contre, ce qui m'arrange pas, c'est qu'ils ont un bourreau. Ouais, le bourreau il casse la tête. Ah, ils en ont deux. Ouah, frère, là je t'avoue, on va partir sur une petite ligne de feu. Ah, ça les tue pas. Ouais, ah. Ça les tue pas du tout. Comment expliquer que on a perdu la game? Non, arrête, j'aime pas ça là. Attends, en vrai. Ouah, frère.
Mais un. Ah merde, du coup j'ai mis une armée de squelettes de merde. Aïe. Je disais quoi du coup? Ouah. Attends mais. Mais attends, mais ça avait combien d'élixir? Non mais attends, mais ouais, mais ils avaient le counter parfait en fait. Ah, Michou, es-tu là? Frérot, j'aimerais ne plus être là en fait. Bah je t'avoue qu'ils avaient juste le counter. En fait, ils avaient bourreau. Voilà. Beau frère de, là par contre, c'était. Moi je dis Hagra. Ah ouais, non, mais vraiment, on a boule de feu flèche les bourreaux, on a mis 7 d'élixir, on en a tué aucun, t'en vas pas. Ouais, non, mais là on a rien pu faire. Oh gros. En plus, en vrai, genre j'aurais eu la reine ou quoi, peut-être ça aurait pu faire le taf. Mais là on avait rien. Mais puis surtout qu'après ils sont partis à droite, ils avaient tellement. Ah ouais, gros, j'ai vu les barbares d'élite arriver, j'ai dit c'est chaud. Ah ouais, là c'était un peu compliqué. Non, c'est dommage. Non, c'est pas grave. Ouais, non, pas où. J'étais en train de jouer partenaire aléatoire, j'étais en mode bon. Non, hop, Michou plutôt. Bon, allez, on oublie. Bah oui, mais c'est un PC. Non, le win rate. Le win rate. Malheureusement, petite défaite, hein. Ouais. Ah, fais chier. Après, c'est pas grave, on sera plus de 50%. Sachant que la moyenne de l'équipe est généralement 50%, donc ça va. Ouais, ça va. Tant mais tu vois, nous on essaye de faire monter la moyenne en plus. T'inquiète, moi j'ai encore 8 comptes, t'inquiète, je peux la faire monter la moyenne. Ok, ça va. Ok. Bon, là frérot. Oh, c'est bon, ils m'ont énervé là. Là ils m'ont énervé. Ça j'aime bien. J'espère qu'ils ont pas de tornade. Oh non, dommage. Ah, ils ont tornade. Ça me tue, c'est qu'à chaque fois que tu mets ton clone, ils mettent un sort en face. Ouais, je te jure, le timing gros c'est abusé. Ouais, à chaque fois. Tu flèches. Ouais, t'inquiète, je flèche. Vas-y, parfait. Oh, j'ai eu peur. Hein. Tu sais que. Okay. Moi, ça m'arrive trop souvent de zap le feu à squelette et je le zappe trop tard. Enfin, trop ah tôt. Ah oui, et du coup, t'as. Ouais, tu trop tôt et du coup, les squelettes te grattent. Ouais, ça me rend. Ça me rend ouf. Ok. J'ai fait une erreur là. Non, c'est bon, non, t'inquiète. Okay. Non, c'est bon de s'installer au fond de map. Ok, je vais partir golem. Tu pourras cap 1. Hein. Ouais, de ouf. Hop là. L'arena va tout balayer. La petite armée, est-ce que ça va suffire? Je prépare au cas où. Hein, ouais, j'ai vu. J'étais prêt à mettre les archères aussi au cas où. Du coup, je me suis dit, ok, je vais rien toucher. Putain, fais chier, okay. J'ai pas ma boule de feu pour l'artificier là. Faut que tu zappes le. T'aurais dû zapper le. Ah merde, j'avoue. Ah, j'ai pas suivi. En plus, ma boule de feu elle est ratée. Oh, vas-y, j'ai trop le seum. Là, je suis désolé, j'ai fait de la merde. T'inquiète. Aïe. Frérot. Tu perds juste qu'ils ont pas de. Ok, c'est bon, le bûcheron qui part sur la tour, ça c'est beau, ça on aime bien. Le double pêche. Voilà, des deux côtés, on leur met la pression. Voilà, la reine qui va prendre la. Oh, ils vont gel carrément. Mais tu vois, à chaque fois que tu mets ton clone. Oh, la reine, regarde la reine. Oh là là, c'est beau. Ah, ça y est, on s'installe. Oh oui, il y a un problème, hein. Ils savent que je vais mettre le clone, hein. Mais t'as vu ou pas? À chaque fois que tu mets le clone, il y a un sort. C'est ouf, hein. Ok, oh, on prendra dommage. Pas la deuxième tour, mais on l'a bien tapé. Non, mais ça, regardez, là vous voyez, les potes, pourtant, ils avaient de quoi nous gérer. Ils avaient de quoi gérer le clone, etc. Mais malgré ça, grâce à la reine de Michou, hein. C'est la reine de Michou qui a fait la différence. Hein. La reine, elle avait tout le push à droite, là, et oui. Mais la reine, elle est trop forte. C'est vrai, je pense que c'est en train de devenir ma carte préférée. Hein.
C'est une des cartes les plus fortes du jeu. Et moi, il y a un truc que je kiffe sur l'arène, mais c'est overcheaté. Genre, je pense qu'ils vont finir par le patcher, je sais pas comment. Mais quand tu mets l'arène au corner quand t'as pris une tour, frérot, tu la mets au corner quand le mec il s'y attend pas, tu mets sa capacité, tu prends 2000 de dégâts. Oui, oui, c'est très très fort. Je suis assez d'accord. Alors, je t'annonce juste, Michou, que j'ai fini du coup le défi sur mon gros compte, donc je vais t'envoyer mon lien d'ami du petit compte. Magnifique, ça part. Hop. Comme ça, on va pouvoir continuer le défi tranquillement. En tout cas, ça fait plaisir de sympathiser avec un partisan de la Gotha Gang. Ah. j'aime bien faire genre Gotha Gang, tu sais, c'est le clan concurrent. Ouais, j'ai vu parce que la dernière fois j'avais gagné ton tournoi triple tirage et j'ai vu, ah ça me déçoit un peu, il est dans Gotha Gang. Ouais. Sachant que Gotha est inactif depuis quelques temps sur Zer. Mais c'est vrai, il avait pas beaucoup rejoué même avant le live d'Inox là. Non, il a pas rejoué. Puis là, vu qu'en ce moment, je pense qu'il tryhard la Zilan. Donc, je pense qu'il n'aura pas de live CR avant un bon bout de temps, quoi. Attends, tu m'as envoyé où la demande? Sur Discord. Ah ouais, merde. Tu peux m'envoyer sur Twitter? Ouais, t'inquiète. Vas-y, parfait. Tout. Ah, j'aime trop la musique de Clash Royale. Ça comme ça, tac. Tout. Le chat, s'il vous plaît, le chat. Je veux quand même, parce que c'est vrai que je l'ai même pas dit. Mais le chat, s'il vous plaît, je veux quand même un maximum de joyeux anniversaire Clash Royale. C'est les 6 ans de Clash Royale. Joyeux anniversaire Clash Royale, les gars, quand même. Voilà, nickel. Bon, attends, parce qu'il faut que je le deck du coup. Ok, je suis en train d'ajouter. Vas-y. Voilà, chat, parfait. Hop là. Parfait. Ça, c'est mon petit compte du coup. C'est mon petit compte, mais qui a un meilleur record que mon gros compte. Oui, on va chercher l'erreur. Oui. Mais attends, mais oui, c'est pas un petit compte quoi. Ton petit compte. Oui. Ah, mais oui, il a 6400, pardon. Non, pardon, non, record, le petit compte a 8600 en meilleure saison, pardon. C'est vraiment petit compte. Oui. Attendez 2 secondes, j'ai ma copine qui a besoin que je lui mette un bijou. Ça me termine, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Ça va y arriver, je le sens, mais au calme. C'est pas pire que je te tienne un bout et. Oh là, le problème de femme. Qui arrive. Tu veux que je te mette le bout? Aïe aïe aïe, ça c'est un gentleman ça. Toujours. Joyeux anniversaire Clash Royale. Les 6 ans frérot, les 6 ans. Putain, j'ai pas rush là depuis le début de saison, faut que je joue. Hein. Bon, impossible, problème de femme, voilà. Hop. C'est réglé? Non, mission. Waouh, mission échouée. Mission, ah ouais? Ouais, j'ai pas réussi. Ah merde. trop dur son bracelet. Ah, c'était un bracelet en plus. Oui, trop dur. Bon. Hop. Mission échouée, soldat. C'est pas grave. Allez, c'est qui part. Et du coup, lui, t'as les 9 victoires à faire. Là, non, j'en ai 6. Ok, bah moi, il m'en reste 4. Je pars sur un golem. Attends, je vais ajouter ça. Hop. Parfait. Putain, à chaque fois, moi je pars du côté gauche, eux ils partent tout le temps du côté droit, ça me rend ouf. Moi je pars toujours du côté gauche aussi. Je pense, enfin, tout le monde a un petit côté qui préfère. Bah ouais, c'est côté gauche aussi. Oh non, la méga gargouille. Ouh, il arrive au bon moment le. Ouais, j'ai eu peur. Ok, je vais le roi. Ok, j'ai le zap qui va arriver tard. Ah. Ok, ça passe. Okay, oh, et là, ça va faire mal. Oh. Oh, hello. Mais c'est pas possible. Merde. Merde. Ok, c'est pour la tour quand même. Hein. Ça aurait pu être pire. Hein.
Oui, oui, ça aurait pu être clairement pire, mais ça va, on s'en sort bien. Très bon zap. Toi, frérot. Ok, bon, bah, magnifique. Du coup, ma arène, elle était peut-être pas nécessaire, mais bon. Allez là. En vrai, ça va, t'inquiète. Tout le monde, c'est côté gauche. Ah, peut-être pas tout le monde, hein. Y a des gens qui aiment bien commencer côté droite. Hein. Enfin, côté droit, du coup. Mais est-ce que si les ennemis commencent côté gauche, pour nous, c'est côté droit, du coup? Il me semble que oui, hein. Ouais, c'est pour ça, en fait. Ouais. Moi, droit, vous voyez, il y a plein de joueurs dans le chat qui commencent côté droit. Hein. Je fais quoi, la okay. Golem? Oui, golem pour ma part, vas-y. À gauche ou droite? Droite, droite, droite. Ça part. Moi, je prépare éventuellement la défense. Hop là, oulala. Oh, armée de squelette. Nice. Ouais. Un maximum de squelettes. Bah, magnifique. Oh non. Attends, t'inquiète, j'ai les barbares d'élite. Ah, par contre, ils vont arriver un peu tard. J'ai pas de zap pour. Ouais, là, c'est la 60. Ok, ça passe. En vrai, ça passe. Oui, ça va. Putain, le électro-géant rage, ça existe. Bah, écoute, apparemment, je connaissais pas quoi. Bah, attends, frérot, là, on a un push là. Hein. Ah oui, là on a un push là. Bah voilà. Voilà. Bah voilà. Ok. Wow. C'est un peu de la merde. Oh là là, la réactivité. Bien joué. Voilà, zéro dégâts. T'as clairement zéro dégâts sur la défense. Et c'est encore une win, Michou. On aura perdu seulement une game. Hein. Bah, y'a une game, celle qu'on a perdue, je t'avoue, on l'a bien perdue. Hein. Non, mais en vrai, c'est bug de coup, ça arrive. Mais en vrai, ça arrive trop souvent les lavages de game et les games qui durent 20 secondes. Bah, ouais, en vrai. Enfin, pas souvent. Pas, après, plus, ça dépend. Mais... Ça dépend à quel est l'eau, quoi. Ça dépend à quel est l'eau, mais c'est vrai qu'il y a des games où bah, tu peux juste rien faire et tu vas te faire laver. Mais... Ouais. Ça dépend à quel niveau de tranchée. On peut clone les héros. Alors, les champions, vous pouvez les clones, mais vous pouvez pas utiliser la capacité. En gros, imaginons que tu clones une reine des archers. Toi, tu utilises ta capacité sur la première reine des archers. Ça va l'utiliser, mais pas sur le clone. Genre, le clone c'est vrai, c'est intéressant ça. Je m'étais jamais posé la question. On peut les cloner, du coup, ils utilisent pas leur capa et on peut pas les miroir. Impossible de miroir un. Ah, tu peux pas miroir un champion. Tu peux avoir deux champions sur le board. Impossible, tu peux en avoir qu'un seul sur le board. Mais déjà, champion, moi je trouve ça rajoute un truc de ouf. C'est pour cycler les decks. Parce que exactement, coup, ça, parce qu'en fait, quand, ça enlève une carte de cycle. C'est ça, quand tu joues le champion, quand il est sur la map, en gros, tu cycles avec 3 cartes au lieu de 4. Ouais. Et ça, en vrai, c'est quand même. Ça rajoute un truc stratégique de ouf, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans certains decks, c'est plutôt pratique. Allez, c'est Tipar. Ouais, frérot, t'imagines, tu clones une archère, une reine archère, tu mets la capacité, ça met la capacité. Oh merde. Ça met la capacité aux deux. Ça serait trop stylé en vrai. Ça serait tellement fort. Ouais, un peu trop fort. Un ok, peu broken, je pars sur un golem. Donne pas d'idée à Supercell, s'il te plaît. Hein, hein. Oh, regarde comment je pousse le golem, regarde. Wesh, wesh. Wesh, le frérot, il est passé devant. Un peu trop sûr de lui. Je te jure. Oh merde. Ok, je défends en droit. Ok, ok. Le golem va partir en feu. Bus. Ils vont prendre un bus. Ouais, là par contre. Aïe. Eh, mais ça joue. C'est notre deck en face en fait. Je te jure. Je flèche. Bon, vas-y, okay. Je vais rien rajouter. Je pense qu'il y en a assez. Hein. Ah. Oh. Ok, ok. En vrai, ça a coûté cher leur défense donc. Ouais. On est en avantage un petit peu là. À partir avec une sorcière de la nuit à gauche, hein. Vas-y, vas-y, je vais pouvoir golem devant. Magnifique, ça j'aime bien ça. On est agressif. On aime, on aime. Moi, c'est ça mon problème quand je joue le golem, c'est que j'arrive pas à être assez patient. Bah, ouais, c'est vrai. Enfin, il y a des très 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 bons joueurs golem, mais ils se comptent quand même sur les doigts de la main dans le top ladder. Et généralement, ouais, c'est des mecs qui sont capables de ne pas poser golem pendant 3 minutes de jeu, quoi. Mais ouais, c'est ça. Oh merde. Moi, ça j'arrive pas du tout, hein. Le golem, je l'ai dans les mains, il faut qu'il sorte.
Putain, Doras, c'est mal quand même. Ça va. Heureusement que t'as là. Heureusement qu'on a la reine et les barbardies pour détruire cet électrogène. Ouais. Que... Ok. Ah, et la reine va prendre un petit coup. Ouais, on va les laisser mourir. Hop, tu prends là plus de golems en défense, en protection. Ouais, vas-y. Voilà, nickel. Je l'ai mis un peu tard, désolé. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, oh. Non. Mais ça a protégé la tour, du coup. Ouais, ils ont pas pris la tour, écoute. Ok, ok, c'est le moment. Oh, ça, j'aime bien. Il y a deux golems sur la map. Ouais, j'ai compris, là, c'est... Vas-y, là, on envoie. Eh, vas-y, on envoie, frère. Ah, mais en vrai, ils ont bien défendu, okay. Non, les cons. Ils sont tellement faciles. Ouais, je... Ouais, ils m'ont un peu niqué. Attends. Mon délire, je t'avoue. Okay, merde, oh les flèches, ça c'est beau. En vrai, ça c'est un peu dur sur le 2v2, c'est d'avoir les yeux partout. Ouais, ouais, c'est vrai que. Bah, et puis ne pas se tromper comme tu veux, comme on y revient souvent, mais la communication, parce que bah, ouais. Avoir les yeux partout, il se dire ok, moi je vais défendre là, mais lui défend là. Attends, ils moi, ont toujours un de regarder tes cartes. Non, c'est bon. Non, ça. Moi j'essaie toujours de regarder tes cartes, voir un petit peu ce que t'en défends. Ouais. Si j'ai pas mieux que toi pour moins cher, tu vois, c'est... il faut vite analyser quoi. Ouais, c'est vrai, moi j'ai pas encore le réflexe de regarder toi ce que tu peux faire. Oui, ouais, moi je le prends petit à petit. Après, bon, je suis loin d'être un pro de V2, attention, c'est pas du tout un mode de jeu que j'apprécie. Enfin, c'est pas que j'apprécie pas, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment. Tu vois, il n'y a pas de super défiant de V2. Tu vois, imagine un super défiant de V2, ça serait incroyable. Genre un ladder, ouais. Ou quoi que ce soit, un truc compétitif en 2v2, là je travaillerais. Le 2v2 en mode fiesta. Mais bon, j'avoue qu'un vrai voilà, truc quoi. E-sport en 2v2, je suis sûr que ce serait méga intéressant à regarder et à tryhard. En fait, il y avait des compétitions à l'époque en 2v2 sur la CRL, du coup, il y avait du 2v2 dedans. Okay. Et le problème, c'est que bah, les équipes ne pouvaient pas trop s'entraîner, tu vois. Elles étaient un petit peu obligées de s'entraîner entre elles, sauf que bah, c'est pas ouf. Parce qu'il n'y a pas de format dans le jeu qui te permette réellement de t'entraîner, à part le 2v2, ouais. Le 2v2 Fiesta. Mais encore une fois, c'est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Oui, en Fiesta, en plus, Fiesta, en général, c'est plus bordel que... C'est ça, tout à fait. Bah, tout le monde joue un peu n'importe quoi, tu vois. Il n'y a pas de vraie stratégie, alors ouais, que dans ouais, la compétition... Ça. Donc je te parle, ça commence un petit peu à dater, mais il y avait des vraies stratégies de deck et tout, tu vois. Je vois. Bon, pour l'instant, moi je trouve on n'a pas eu un rush ultra satisfaisant où il y a un bûcheron qui enrage tout, il y a deux golems derrière qui défoncent tout, tu vois. Il manque ce push. Bah, en vrai, le feu là. En vrai, viens, on pose pas golem en x1 et on attend le x2 et on all-in. Tu veux qu'on fasse ça? Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, on fait ça. Comme ça, on met un bus, quoi. On met un vrai, vrai bus. On va juste défendre tranquillement. Hop là, les barbares, ils vont rien faire. Ah, mais là, frère, ça démange, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut faire que ça. Oh, bordel. T'aurais pas dû mettre là parce que là elle va se retrouver derrière, ça va taper en zone avec ouais. Le sorcier. Aïe. Ok, j'ai pas vu. T'inquiète, t'inquiète. Oh non! La reine! C'est... Vraiment, elle c'est s'est barrée. Combat, hein. Par contre. Pas son combat. Oh la capa. Par contre, elle va il y a faire mal. Capa des deux côtés. Oh là 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 là, Théma, ces champions, comment ils sont beaux! Oh là là, mais ça gratte tellement les champions, mais regardez là. Mais j'avoue. Champion diff, hein. Champion diff. Oh bordel. Ok. Ok, je te laisse. Ok, t'inquiète. J'aurais peut-être dû mettre une armée de squelettes ou une boule de feu en plus. T'inquiète. On va pouvoir partir golem. Ah merde. T'inquiète, je vais partir à golem dès que je... Ouais, c'est vrai que les tirs vont tellement lentement. Il va falloir défendre quand même avant. C'est bon, frérot. On va rentrer en double élixir. Voilà, c'est maintenant qu'on va poser le bus. Ça va être notre moment, là. Est-ce que je mets un golem aussi, là? Oui, mais golem, vas-y. Allez, ça part. Plaisir, mon ref. Oh là 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 là. Prépare ta boule de feu au cas où, au pont, s'ils partent sur un push. Ouais. Ok, c'est bon, on va pouvoir défendre comme ça. Ouais, c'est quand même, je me fais laver, hein. Ok. Putain, ils ont quand même fait mal de ouf aux golems. Ah, mais les sorciers, wesh, ils ont tout détruit. Mais attends. Oh, mais attends, ça c'est relou. Merde, ma boule de feu, elle est horrible.
pour gratter, t'as vu, je connais la strat. Oh, oh les chiens. Par à droite avec barbare d'élite, par à droite. Ouais. Oh, j'aurais pu mettre ma capa. Boule de feu. Allez. Let's go. Oh, j'ai eu peur. Oh, la roquette qui m'a tellement surpris. Oh, dès que j'ai vu la roquette, frérot, là, je me suis mis en mode grosse rire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, on était confiants, tranquilles, machin. Et je vois la roquette, je me dis, attends, mais si re-roquette, on est mort. Bah déjà, gros, on a posé les deux golems et les deux golems se sont fait tellement des peuples, le double sorcier au point mais et Valkyrie, deux, là, wow. Je pensais pas que c'était aussi puissant. Ah ouais, ça a fait tellement mal, les golems, ils ont même pas dépassé le pont quasiment. Mais vraiment. Bon, ça va, ça va. On a eu chaud. En plus, moi, j'aurais pu... Je m'en serais tellement voulu si on perdait parce que ma reine touchait la tour et je pouvais utiliser son pouvoir. Mais je l'ai pas remarqué, tu vois. Ouais, ça c'est au tueur, réactivité, les yeux partout, on en parlait. Ouais. Je suis pas encore assez réactif. Ok, c'est parti. Okay. Équipier, voilà, chat. Bon, là, je pense que ça va partir direct avec un golem fond de map. Voilà. Écoute, regarde bien. Je défends pas à droite. Hein. Si pas... Oh non, je peux pas faire la technique du double golem au pont. Attends, frérot, on a une revanche contre le bourreau. Ouais, faut déjà... Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire ça carrément. Oh là, on a plus d'élixir. Hein. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer, Michou. Okay. Mais t'es mal, le bourreau, le taf qu'il fait. Il fait mal, hein. Mais regarde à droite. Oh là là, ça prend la tour carrément. Ok, t'inquiète, j'ai l'armée. Voilà, parfait. Ok, je vais défendre à droite. C'est beau ça. Je rajoute un truc. En vrai, ouais. Ouais. Ok, nickel. Bah écoutez, malgré le bourreau, on a pris la tour. Ouais. Je défends. Ok, parfait. J'avais pas capté en fait que l'arène c'était un truc genre une charrette. Comment ça? Bah l'arène, t'as vu, elle roule genre. Ah, j'aurais pu beaucoup mieux défendre, là j'ai fait n'importe quoi. Bah tu sais genre à côté il y a des roues et le terrain derrière il avance. Ah oui, ok, l'arène. Ah mais ok. Ah, oui, l'arène, non pas l'arène, l'arène. Oh purée. Oh non. Ah est-ce que... Oh, oh non, elle est morte. Oh j'ai compris, oui, l'arène des orchis. Ah oui, l'arène. L'arène elle a des roues genre. Oui. Oui, j'avoue, t'as dû pas comprendre. Oh le lapsus. Ok, pose golem devant notre golem. Vas-y. On montre qu'on est les patrons. On laisse la tour à droite, j'ai compris. Faut couper pas la défense ici. On a pas besoin de défendre, nous. Attends, juste des trucs ça. Oh là, il peut y avoir un. Oh voilà, c'est ça que je voulais. Oh. Oh. Voilà, frérot. Voilà, tu voulais ton boost, Michou. Oh oui. Oh, le boulet son but. Là c'est violent. Là, oh, j'ai kiffé. C'est satisfaisant. Ah, c'est satisfaisant. Ouf, frère. J'ai trop kiffé. Oh, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Ah bah t'as déjà fini. Bah oui, je suis à 9 victoires. Allez, 9 en vrai, 9-1 ça va. 9-1 en vrai. Ouais, ça va en vrai. Ça manque de vie, ça manque de game. On aurait bien voulu un défi un peu plus long quand même. Ouais, j'avoue. Bah, c'est vrai que c'est passé vite. En vrai, là, on a fait 40 minutes. Ouais, nos victoires, ça passe très vite. Hein. Enfin, en soi, on a fait 10 games parce qu'il y a une game qu'on a perdu. Moi, j'ai pas d'autres comptes. Bah, écoute, c'est pas. En soi, du coup, ça fait 90% de 90% d'une rate. C'est ultra propre. Hein. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Putain, on a roulé dessus le défi. Hein. Ah ouais, mais le double golem, hein. Le double golem, ça a carré. Hein. Ouais, de ouf. Je pensais pas que ça allait être aussi puissant, mais en fait, ouais. Le golem en 2 contre 2, il est vraiment parfait.
Bah surtout que là, bon, je manque pas de respect aux joueurs en face de nous, mais c'est pas, voilà, ils ont pas des decks vraiment très très forts pour défendre Golem. À part la game, vraiment, on a perdu, on a rien pu faire. Les autres games, tu vois, c'était pas des vrais decks qui défendent. Quoi. C'est un peu du tout n'importe quoi, mélanger des cartes dans tous les sens, donc ça rend des choses pas trop propres. Ouais. Ok, bah frérot, tu veux qu'on fasse quoi? Et tout le monde me propose un 1v1 contre toi, mais du coup... Oh les bâtards, les bâtards. On peut faire en triple tirage à la rigueur. Quoi, pour, tu veux... En vrai, oui, 1v1 avec nos decks, tu vas m'allumer, c'est sûr. En vrai, tu veux, si tu veux essayer, on peut essayer, mais... Vas-y, en vrai, je suis chaud. Que... Vas-y, mais du coup, je prends le deck que je veux en ladder, on est d'accord. Prends le deck que t'as normalement. Ok, ok, ok. Aïe, 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 aïe. Frérot. Oh, bordel, j'ose pas cliquer sur combat amical. C'est parti, mon pote, bonne chance. Attends, parce que en plus, du coup, là, on va pas pouvoir trop commenter la game, hein. Moi, je peux commenter en même temps, y'a pas de problème, hein. Ah ouais. Ok, alors moi, les potes, du coup, je vais jouer un petit deck cimetière, mais je suis petit deck golem, vous connaissez. De merde. La pierre tombale fait chier. Alors là, il part golem, donc moi je vais m'installer avec un dragon d'enfer, fond de map, forcément, pour venir défendre ce golem. C'est pas mal, c'est pas mal. On connaît ses cartes, donc on sait très bien qu'il va tenter d'aller sniper ce dragon d'enfer. Voilà. Donc on va sniper ça avec une Valkyrie. Ah, mais t'as la boule de feu, hein, en vrai, la boule de feu est chiante. Ah, il est pas ouf mon zap. La boule de feu va être ouais, ok, c'est bien défendu, bien, bien joué, bien joué. Je pense que le mec en face, les gars, il est pas dégueu. Ouais, je regarde ta game, je pense qu'il est vraiment pas mauvais. Hein. Tu sais que le dragon de l'enfer, il me fait trop peur parce que tu mets un gel, ça peut trop te surprendre. Bah, en fait, j'ai une autre version de ce deck là que je joue. La première version que j'ai créée, justement, c'est avec un gel. Et je t'assure qu'il y a plein de games que je gagne grâce au gel. Hein. Dragon de l'enfer gel. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu te fais surprendre, tu sais, tu te dis, c'est bon, il a pas de vie, je défends pas. Je suis assez d'accord. Oh, l'archère, merci. Ok. Aïe. Non, non, oh, meurs, let's go. Meurs. Let's go. Oh, elle fait trop mal. Supercell. Il s'agirait un petit peu de la nerf, hein. Ok, va, le golem qui gratte. Mais tu m'as... En fait, tu m'as toujours pas attaqué, c'est ça le problème. Et on te laisse de l'avance. Et moi, je connais pas ton deck. Et du coup, j'ai peur de... Tu vas attaquer avec quoi? T'inquiète, t'inquiète. C'est la surprise. Ah, ok. Mais en plus, tu l'as dit, frérot, tu l'as dit que tu jouais cimetière. Bah, une chance pour la défense. Oh. Ok, ça ouais, passe. Ça va, hein. Ça va, hein. T'as vu ou pas? Eh, hey, ça va, ça va. J'ai un peu paniqué avec la capacité, mais ok. Un peu trop tôt, ça. En vrai, Ren, putain, mais je t'ai créé un bon deck en vrai, hein, parce que Ren. T'as vu ou pas? Et je te jure, hein, c'est chiant à gérer en fait. La sorcière de nuit, il est relou. Ah, dommage, il a pas pété sur la tour. Ouais, c'était fait exprès. Et en vrai, c'est pas 20, hein. Ah, et là, ça va faire mal, hein. Mais attendez, mais... Oh, frérot, cette défense! Mais je suis joueur pro, en fait. Attends. Frérot? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Merde, j'ai raté, mais frérot, je suis une merde! Ah, les électrocuteurs, ils m'ont ouf. Frérot! Je vais faire ta game. Je vais faire ta game. Et moi, j'ai une réputation à tenir. J'ai une réputation! Aïe! Non, attends, attends, attends. Attends, je t'avoue, je fais plus le malin là. Non,
Michou. Non. Frérot, j'y ai cru. J'y ai cru. Oh gros, j'ai stressé, frère. What the fuck. Oh bordel. Pourquoi j'ai raté? Frérot, j'ai mis clic une boule de feu. Bah après, je prenais pas la tour, mais... C'est vrai. Mais peut-être qu'avec un zap, ça aurait pu passer, hein. Il a vraiment bien joué, c'est vrai, mais en fait, moi, vraiment, j'ai trop forcé avec la capa. Je vais pas vous mentir que... Il y a un moment, je voulais trop jouer en mode... Je veux 35 milliards de squelettes sur le board, et du coup, j'en oubliais ouais, de... Ouais, ouais, je capte. Je suis en armée. Je vois, t'as pas joué vraiment en mode tryhard, mais plus en mode j'ai envie de le surprendre. Oui, voilà, t'as tout compris. Mais en vrai, tu joues vraiment bien. Franchement, tu t'en es bien sorti, t'as fait des belles défenses. Frérot, il me faut une revanche, là. Bah écoute, vas-y, let's go. Bon, je sens que ça va pas être la même, mais il me faut une revanche. Let's go, let's go. Et même si tu gagnes, je veux une revanche en tirage triple. Vas-y, ça marche. Putain, j'y ai tellement cru. En vrai, non, franchement, belle game, GG. Ouais, en vrai, c'était une belle game. Hein. La version gel, non, avec la version gel, les potes, ça va être trop simple pour moi de gagner. Et j'ai le pêcheur, il a rien pour gérer le pêcheur. Ah ouais, le pêcheur. Mais tu sais que quand je vois un mec jouer le pêcheur en face, c'est trop chiant. Bah, forcément, ouais. Ah ouais, voilà, c'est vraiment très bien géré là. Oh ouais, on va pas jouer de la même manière cette fois-ci. Ouais, j'ai remarqué. Vous pouvez faire du tirage triple, on en fera après les copains. Ok. Mais en vrai, j'ai tellement de trucs après pour défendre moi aussi. Ça va, ouais, ça, j'avoue que t'as les archers plus la sorcière de nuit plus l'armée de squelettes. Ouais, en vrai, j'ai un bon deck contre toi. Hein. Bon, ça, c'est pas mal ça. Ok, oh, la reine est tellement chiante par contre. En plus, là, je crois, elle va pas être. Ah, elle a peut-être un peu trop avancé. Ok. Ok. J'avais oublié cette carte quoi. Mais ouais frérot. Mais moi je suis à toi, je les ai pas joués. J'en avais oublié qu'elle existait. Donc clairement ça me s'est géré. De feu, elle est trop belle. Ouais, ça m'a encore tapé la tour. Hein. En fait, c'est vraiment con, j'ai du mal à gérer. En vrai, je gratte, mais... Mais là, faut que je sois pris sur la défense, quoi. Wouah. Ok, ça passe. Non, ça passe pas du tout, en fait. Ça va, ça va, tu vas défendre. Ok, sauf que là, je sais qu'en élixir, j'ai un désavantage. Ah oui, je le sais aussi, t'inquiète pas. Hein. Ouais, bah t'inquiète, je l'aurais pas dit sinon. Ah oui, ok, merde. J'ai un peu surdéfendu. Wouah ! J'ai pas du tout surdéfendu, frérot. Ah. Oh, sa mère, je me suis fait surprendre. Tu vois, le point en fait où t'as l'avantage parce que tu joues très agressif avec ton deck, tu joues bien l'agressivité en x1, mais une fois qu'en x2, moi je suis installé, malheureusement. Ouais. Toi, si je prends l'avantage une seule fois, c'est mort. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça en fait, parce qu'après tu défends bien et je prends un contre-push du futur et je peux plus rien faire. Exactement. Putain, il est chaud ton deck, hein, franchement. Bah, je l'aime bien. Dis-toi que c'est un des decks les plus joués à l'heure actuelle dans la méta. Genre, ah c'est ouais moi qui l'ai créé. Ouais, ouais. J'ai créé une première version comme. C'est toi qui l'as créé avec Pêcheur. Ouais. Ah, c'est ouf ça. En fait, ma toute première version, c'est avec Poison, Pêcheur, etc. Après, j'ai mis un gel dans le deck. Et après, on a fait une variante avec Boule de Feu. Ok.
Bon bah GG, tu m'as explosé. Bah, non, en vrai ça va, je m'as pas explosé, mais... Ouais, non, en vrai non. En vrai non, ça va, il y avait du challenge. Tirage triple. Vas-y, vas-y, un tirage triple. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est demandé, ça part. Oh, ça part. Ça va être intéressant là aussi. Hein. Mais tirage triple, toi, t'es beaucoup plus fort. T'es trop fort, tu connais tout. J'aurais plus d'expérience que toi sur les cartes, oui. Ouais, je pense. Effectivement. Les potes, si je gagne, Michou m'a dit qu'il m'envoyait la couronne de Clash Royale. Non, frérot, c'est mort. Mais hey, tu sais qu'il y a écrit Michou dessus? Ouais, mais t'inquiète, on va, t'inquiète. On met du blanco non, dessus. tu me donnes ton petit bout de territoire que t'as reçu, là. Mais hey, d'ailleurs, faut que j'aille le visiter. En vrai, c'est incroyable, ça. Hein. Clash Royale, ils sont trop forts. Ouais, mais j'ai suivi, mec, c'est ouf. Hein. Essaye d'imaginer un peu ce que tu vas apprendre. Ouais, t'inquiète. T'es trop serein. J'aime bien parce que normalement, moi, je joue contre Inox et, tu sais, il fait le mec, mais je suis confiant. Mais là, c'est l'inverse. Ok. On va voir ce que ça va donner. En vrai, je peux pas me plaindre. J'aime bien mon deck. Moi aussi, je suis un joueur remote. Hein. J'en ai pas beaucoup sur ce compte-là. J'en ai pas beaucoup. Frérot, j'attends que tu joues. Ouais, t'inquiète. Ça... Bah, vas-y, je joue avec une sorcière de nuit fond de map. Ok, très bien, pas de problème. Ah! Ah! C'était pas prévu dans mes plans, ça. Oh merde. En vrai, j'ai hésité à pré-shot, j'ai trop le seum. Ah ouais? Ouais. Putain, tu m'aurais eu sur un pré-shot début de game, c'est fort. Hein. Alors que c'est un deck que t'es pas censé connaître, ouais. Allez, zappi, frérot. Non, il tapera pas. Ah, dommage. Tapera pas. Au calme, hop. Oh. Machine volante, ok. T'as pris le bourreau quoi, je crois qu'il t'a traumatisé. Ouais, le bourreau. J'ai vu de quoi il était capable, je me suis dit, je le prends. Oh, let's go. Oh là là, mais quel timing. T'as vu ou pas? Il va même carry le bourreau, c'est ça qui est beau. Ok. J'avais. Oh non, il l'a pas. On sait jamais, hein. Ouais, je savais. Comme tu m'as dit, j'ai hésité à pré-shot, je savais que j'allais pas mettre l'armée de squelette. Tu sais que ça me met dans la sauce du coup là, le pré-shot, hein. La tentative en tout cas. Bah... Ouais, ça va, tranquille, on va quand même gagner la game. Attends, t'es trop confiant encore, c'est pas normal ça. Hein. Non, parce que je sais que je suis capable d'assumer beaucoup de dégâts et ensuite plus de défendre et prendre zéro. Ok, je vois. Après là, frérot, il y a les deux tours. Hein. Ouais, t'inquiète. Oh, j'aime pas la sorcière de la nuit. Mon Michou. Ah, t'as pris ça en fait. Ok. Oh, fait chier ça. Ok, belle défense. Ah oui, en effet, t'assumes la défense. Putain, mon zappi, il est merdique. Je osais pas le dire. Non, t'as pas. Oh non. Aïe. Putain. Mais hey, en double élixir, tu me fumes. Bah écoute, on te laisse un peu, tu en 100 points et après... Oh attends, est-ce j'ai que pas je vu suis ça. Bon. Oh merde. Ah, connecte pas! Oh, let's go! Non... Ah, fait chier... Ah, c'est bon, j'ai perdu! Ah! Putain! Il fallait bien qu'il passe le pré-shot! Il fallait bien qu'il passe un moment! Mais attends, mais j'avoue qu'à partir du x2, mec, c'est plus la même défense, hein!
Bah en fait, enfin, je t'avoue que bon, je joue moins sérieux. Enfin, bah, j'ai pas envie de perdre, donc travailler de plus. Et quand je vois qu'en fois 1, tu commences à prendre avantage, je me dis bon. Oui, je vois. Je peux se concentrer. Il est pas mauvais. Non, parce qu'il y a plein de gens là dans mon chat qui sont en mode ah, Michou, il est pas mauvais, mais les pattes, Michou, il est pas mauvais de ouf. C'est ce que je vous expliquais en fait. Et qui joue pas beaucoup, et déjà avoir un record à 6-6 pour son peu de temps de jeu, c'est énorme. Il y a beaucoup de joueurs qui, avec beaucoup plus de temps de jeu que Michou, sont pas à 6-6. Ouais, donc, bah en fait, moi j'ai beaucoup de temps de jeu de l'époque. Oui, mais ouais, en vrai, j'ai un peu récupéré. Hein. J'ai eu du mal au début quand j'ai repris, tu sais, c'était grave frustrant parce que j'étais en mode, mais attends, avant j'étais plus fort que ça, machin. Mais à l'époque, tu sais, que je travaillais à mort. Hein. Je regardais les compètes et tout à l'époque de Surgical Goblin, Azilis. Ah oui, ça date. Ah ouais. Oui, ça date. Je regardais toutes les compètes e-sport. Ça date, ça date. Donc en vrai, j'ai une petite expérience, tu vois, mais après. J'ai jamais été joueur pro ni rien, tu vois. Ça, c'est sûr. Oui, après, oui, c'est beaucoup de temps de jeu que. Voilà, c'est ça. Je suis un bon joueur, quoi, on va dire. Oui, voilà, tu te débrouilles. Frérot, j'ai un vrai choix. C'est quoi, je flex tellement, frérot. Non, arrête. Que je vais pas choisir. Oh, gros. Mais c'est de la triche parce que je sais que si tu choisis pas, ça prend que ta carte à gauche. Ah ouais? Ouais. Et du coup, je vais connaître ton deck. Attends, au pire, je cache. Je regarde pas ce que ça te prend. Vas-y. Ah, mais du coup, ça veut dire que je vais même pas savoir t'auras quoi comme carte en vrai. Ok, c'est pas grave. Tu veux flex, tu veux. Ok, pas de soucis. Ouais, écoute, on flex. Surtout que frérot, j'ai. Je sais pas si t'as vu, j'ai eu un PK en proposition. Ouais, j'ai vu. En tirage triple, PK. Je trouve qu'il est cheaté. Hein. Tiens, j'ai un deck. Waouh. Je crois que tu es plus dans le clan de Gotha. Non, mais je suis dans le clan de Gotha, les potes là, c'est juste que c'est mon petit compte, pas mon gros compte. Frérot. Mais ça veut dire que toi non plus tu vas pas savoir j'ai quoi en fait. Non, bah, je vais même pas regarder, hein. Ça va aller tellement vite, je pense que. Ok. Bon, je sais pas du tout ce que t'as. Ok, je vois les cartes qui me prennent. En vrai, ça va, hein. Ah ouais ? Ça va. En vrai, ça va. ouais. Frérot, je vais te battre une fois, je te le dis. Écoute, y a Dogvik qui s'entraîne pour te battre. Y a Dogvik qui s'entraîne pour te battre, à toi de t'entraîner pour me battre un jour, hein, écoute. Ouais, j'avoue, frérot, à tout moment, je lance une série, hein. Ok, ça va être intéressant. Putain, le chasseur au corps à corps, il est vraiment fort. Oui, il fait très mal. Hein. Je pense que je vais me faire atomiser. En vrai, le prince m'embête un peu. Ok, ça va. Et tu connais pas ma win condition. Et je peux te dire que ma win condition se fait contrer par ton PK. Ah ouais? Ouais. Ah, ça c'est beau ça. Mais en fait là, moi j'ai un deck plus, je pense, défensif contre-attaque. Sauf que toi t'attaques jamais en début de game. Ça dépend les decks quoi. Et vu que là je suis pas à l'aise avec le deck. Oh. Putain, la boule de neige, elle défend vraiment bien le feu à gobelin, je pensais pas. Mais en vrai, il y a un timing pour prendre 0 coup, mais j'ai mis un peu trop tôt là. Ah ouais? Ouais. Et je sais aussi, avec la Valkyrie, si tu la poses bien, ça one shot tout, mais c'est trop dur ça, non? Non, c'est juste un timing, il faut juste que je crush shot le feu un peu. Ah ok. En vrai, ça va. Putain, la game est tendue. Hein.
J'avoue, là, pour l'instant, c'est serré, hein. Effectivement. Ah oui. Ah oui, j'avoue que sur ça, le PK, il va faire le taf. Attends, mais il s'est fait foudroyer, mon PK. Oui, je l'ai roquette en même temps. Ah ouais. Oh, la Valkyrie. Mais wesh, tu défends trop bien. Bah, à la fois, c'est rassurant, tu vois, mais... Oui. Oh, le chien. Oh. Ah, il l'a mis à droite. Oh merde. Ah, il a voleuse. Un coup. Ah, dommage. Ah, tu... Je voulais pré-shot de l'autre côté, tu vois, là j'avais pré-shot. Oh non, la tour du roi, frérot! Bah là, je commence à paniquer, je t'avoue. Ma défense, elle est non, moins précise, hein. Ça va? Non, ça va pas. Bah alors, Michou, qu'est-ce qui se passe, là? Arrête, y'a mon PK sur la... Merde! Je pensais que tu l'avais pas vu. Je me suis dit, on sait jamais. Si je joue le timing, que tu vois pas le PK. Écoute, on voit tout ici, on voit tout. Ah, tu laisses rien passer. Putain, ta défense, c'est trop solide. Bah, ouais, pourtant, tu vois, je t'ai dit, PK counter bien de géant, mais après, ouais, tu vois, j'ai joué avec le géant, tu vois, j'ai joué autour de ça, essayer de te mettre la pression des deux côtés, pour ouais. Que tu saches pas trop PK, que tu commençais à t'embrouiller dans ta tête, et à un moment donné, bah, vu que tu sors tout PK à un moment où il faut pas le faire, et du coup, bah, je lead de l'autre côté, quoi. Et je sais que t'auras un pour deux. Ouais, bah, tu viens d'expliquer tout ce qui s'est passé dans ma tête. C'est vraiment, je voyais des trucs arriver de partout, j'étais en mode, je défends comment, là, je fais quoi? Je peux comprendre. Aïe aïe aïe. Ça y est, j'en ai marre de me faire atomiser. Ouais, je peux comprendre. Je ne veux plus. Non, en vrai, ça va, un très bon niveau de jeu. Après, bon, t'as gagné le tournoi, donc après, dans le tournoi, il y a. Ah, j'ai gagné le tournoi quand même, hein. C'est vrai. Nasdas était très bon, par contre, je connaissais pas. Ouais. Il joue bien. Ouais, Nasdas, j'avais game avec lui juste avant le tournoi et ouais, il me faisait peur, hein, pour de vrai, hein. Mm-hmm. Je me suis dit, putain, Nasdas, et quand j'ai vu que j'étais contre lui en demi, je crois, franchement, je pensais limite perdre. Parce que j'avais fait 3 games et il en avait gagné une. Ok, ouais, c'est qu'il était capable de te battre, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, moi, en tournoi comme ça, gros, je stresse trop. Mais au final, j'ai fait zéro erreur. Ouais, franchement, les games étaient propres. Hein. Les games étaient propres. Mais c'est quand on te voit dans le tournoi, là? Dans le tournoi avec Inox, là? Mais je sais pas s'il en refera. Je pense pas qu'il en refera. S'il en refait... Il faut pas qu'il m'invite que moi, parce que s'il invite que moi en termes de... Enfin, en tant que bon joueur... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être un petit peu... Enfin, après, vous pouvez me battre, mais il faudrait vraiment que. Enfin, il faudrait mettre des pénalités, quoi. Enfin, des bâtons dans les roues, un peu. Oui. Genre, tu choisis pas toi. Mais j'avoue, attends, tu m'as battu sans choisir ton deck, là. Oui. J'avais oublié cette histoire. Effectivement. Ah, j'avais oublié ça. Putain, ouais, j'ai le seum. Bon, c'est pas grave, j'ai un coffre à couronne, je suis content. Non, ouais, c'est cool. Hey, t'as déjà eu une légendaire dans un coffre à couronne? Oui. C'est trop rare. Oui, ça arrive vraiment. Tu sais que depuis que j'ai repris Clash Royale, là, depuis 3 mois, j'en ai jamais eu.
Ah ouais, légendaire coffre à couronne depuis que j'ai repris, j'en ai jamais eu. Pourtant, j'ai eu même dans des coffres en argent, mais les coffres à couronne. Moi, je dirais que j'en ai eu un tous les deux passes. Une toutes les deux. Ouais, tous les deux passes. Ah, c'est quand même vraiment rare. Hein. Ok. Bah, frérot, tu veux faire un autre truc? Bah, écoute, si t'as des idées, moi je suis preneur. Hein. J'avoue, là, je sais pas trop, on a fait un peu le tour. Hein. Ouais, c'est vrai que le défi 2v2, il allait vite. C'est vrai qu'il allait très vite. Ouais, ouais, pas que ce soit aussi con. Bah, forcément, on fait que des 3 couronnes. Est-ce que vous avez des idées, les chats? En vrai, vous pouvez faire du 2v2 normal. Tournoi abonné. Oh, est-ce qu'on peut faire des tournois 2v2? Non, malheureusement, on peut pas. Ah, c'est dommage. Ouais, sinon ça aurait été cool. Un tournoi 2v2, on roule sur les abos. Ouah, ça aurait été lourd. Ouais, ça aurait été trop bien. Après, 2v2, on peut faire contre des abos, mais il faut faire dans un clan, quoi. Ouais. Ouais, donc, et après, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'être tous les deux en 2v2, parce que, bah, à tout moment, il y a quelqu'un qui troll et qui prend notre place, donc, un petit peu compliqué. Élixir infini. Ouais, j'ai vu, il va y avoir le défi élixir infini, du coup, il fait partie de la Royal Crowndown. C'est ça, tout à fait. Il y a les 3 défis, du coup, comme je t'avais dit, le tournoi mondial qui est déjà fini, le défi 2v2 et le défi x7. Ouais, donc c'est que en vrai c'est un gros truc, mais c'est pas non plus un truc vraiment tryhard, sinon ils auraient jamais mis ça. Hein. Oui, voilà, c'est un truc communautaire. Voilà, mais c'est ça. Avant tout s'amuser. Mais je trouve qu'il y a quand même du skill sur le élixir illimité. Ah, en vrai, ça dépend ce que tu joues. Ça dépend ce que tu joues. Moi, je pense que élixir illimité, tu vas faire que me fumer. Parce que c'est, je trouve que c'est faux. En fait, c'est une gestion de la panique, je trouve. Mais tu veux qu'on essaye? Vas-y, moi je suis chaud. Hein. Vas-y, attends, faut juste que je sélectionne un deck parce que. Attends, qu'est-ce que. Faut que j'ai pas joué en x7, moi. Qu'est-ce qui est bien en x7? Frérot, moi j'ai un deck. J'ai un deck parfait pour le x7. On s'entraîne. Ouais, attends, bah, je suis juste. On s'entraîne pour le prochain défi, les gars. Je suis juste en train de. Ouais, je fais mon deck et. Vas-y. Mais tu vas voir, je pense que tu vas faire que me rouler dessus. Hein. Non, en vrai, t'inquiète, ça devrait aller, je pense. Hop. Ok, attends, c'est où le x7 en combat amical? Le chat, il me dit golem d'élixir guérisseuse. Ouais, golem d'élixir, c'est fort en x7, ouais. Ouais, mais ouais, j'avoue, parce que tu gagnes de l'élixir en le tuant, mais au final tu te rends même pas compte, quoi. Ouais, mais en fait, si le mec en face fait, tornade roquet, tu passeras jamais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. Merde. Frérot, je sais pas le deck que tu m'as pris. Ah, mais attends, tu prends un 2.6? Quoi? Non, t'inquiète, un bug. Mais attends, mais c'est audacieux, non? Oui, c'est aussi, c'est très très osé. Mais attends, mais tu défends trop bien! Ok. J'ai capté, là tu veux me faire, là. Quoi? Non! Mais gros, t'as rajouté les 3 mousquetaires ou... Oh là, poteau. Il va falloir gérer la crise. Oh, la boule de feu, c'est trop fort en x7 en fait. Mais attends, mais c'est abusé. Et hey, quand je vois la gueule de mes poches, je me dis ça peut que passer. Ouah, les cochons, ils spawnent sans arrêt.
Putain, j'ai même pas le temps de gérer la capacité de ma reine. Ah, t'arrives à gratter. En fait, le golem, il peut pas passer, du coup. Aïe. Ah, ah, c'est dur. Oh, gros, j'ai une idée de fou. Non, j'ai raté ma boule de feu. Oh. Non, je vais gagner, frérot. Ouais, c'est mort. Ah ouais, je suis vraiment pas sûr de ce call. Hein. Ouais, 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 c'est mort. Putain, il m'a battu avec un 2.6 quoi, en x7. Il a mis une cabane à cochons. Mais hé, la vérité, les cochons, ils spawnaient toutes les 3 secondes. Il suit tellement vite le deck aussi. Il se passe trop de trucs, mon cerveau a implosé, je te jure. J'avoue, les gens qui regardaient, ils ont dû rien comprendre. Bah, tu sais que même moi, pourtant, je dirais pas que je suis habitué, mais j'ai fait beaucoup de fois 7 quand même, je me suis entraîné pas mal dedans et... Et même là, fin, tu vois, quand tu as commencé à push de tous les côtés, c'est dur. Tu vois, limite, tu poses tes cartes un petit peu bêtement et t'essaies de. Enfin, avec 2.6, t'essaies de cycler. Ouais. Tu vois. C'est juste de cycler tes défenses. Quoi. Mais moi, en vrai, oui, en moi, en x7, c'est. Je pose n'importe où. Hein. Je mets un golem et je mets tout derrière et voilà. Oui, je vois ce que tu veux. Mais, mec, j'ai pensé à un truc de fou. Mm-hmm. Si tu fais un deck ultra défensif et tu cycles la roquette sur la tour du roi. Faut être sûr de passer à ton défense, hein. Ouais, j'avoue, faut avoir confiance en sa défense. Mais au final, là, Théma, là, je suis sûr, au lieu d'envoyer un cochon, t'envoyer une roquette, tu me fumais, hein. Oui, oui. Bah, y en a, ils gagnent avec des decks full sort, juste. Enfin, ils défendent avec des sorts et ils grattent full sort sur la tour du roi. Quoi ? Et ils ont vraiment un deck full sort, juste un deck full sort. Il y en a, ils ont déjà réussi des défis facettes comme ça. Ah, oh, ouais, ils sont chauds. Moi j'arrive pas encore, hein. C'est un peu compliqué. Mais après ça dépend aussi contre qui tu tombes. Oui c'est ça, tu def pas avec full sort, si il faut défendre un petit peu quand même parce que sinon leur pêche va plus vite que le full sort. Ouais je vois. T'as envie d'essayer de me fumer à la roquette? Vas-y écoute. Hein. J'ai envie de voir si c'est faisable. Par contre si t'y arrives je vais me sentir mal. Hein. Mais j'ai fait une vidéo récemment où justement le but de la vidéo c'était de faire 3 couronnes avec la roquette et j'ai réussi au bout de la 5ème ou 6ème game. Ouais. Ah ouais. Mais moi je pense qu'en x7 ça doit être beaucoup plus simple. Hein. En x7, oui, là je parlais vraiment en élixir classique, tu vois. Donc. Putain, t'as réussi à faire ça, mais hey, ça doit être trop satisfaisant. Parce que le mec en face c'est horrible. Tu vois ta tour descendre petit à petit et tu peux rien faire. C'est ça. Frustrant. Mais le but. Le concept, c'est en gros, j'arrête pas la vidéo tant que. Et le concept de la vidéo là, c'était de ne pas arrêter la vidéo tant que le 3 couronnes n'avait pas été effectué avec. C'est énervé en vrai comme concept. Après, toi, tu peux te permettre. Moi, je fais un concept comme ça, je suis capable de rester. Merde. Ah merde, t'as fait un V1. J'ai mis en normal. Bah vas-y, on la joue en normal, vas-y, t'inquiète. Vas-y. Ah oui, d'accord. Ça va être beaucoup plus dur là par contre, hein. Bah ouais, là j'avoue frérot. Là si si t'arrives à me fumer, là je me sentirais vraiment mal. Du coup en fait après un 2.6 t'as remplacé le cochon quoi. Pas de problème. J'ai pas fait que ça, j'ai enlevé une autre carte aussi. Ah ouais. J'ai enlevé la boule de feu, j'ai mis le miroir. Ah, ah c'est smart de fou. Ah. J'aime bien quand il y en a toujours un, il va sur la tour. Toujours un petit coquin. Hein. Ok. Ouais. Peut-être que Michou va me battre pour la première fois. Hein. Là, j'avoue que si je veux te battre, c'est le moment. Je pense. D'accord. Fais attention parce que si je te bats, ça sera screené.
bien sûr, t'inquiète. Putain, le canon, il est trop bien posé, frérot. Je suis pas encore à ce stade-là, moi, quand je joue en game classé. Les mecs, ils posent pas le canon aussi bien. Oui, je vois ce que... Enfin, là, ouais, je le passe comme ça pour éviter la boule de feu rentable de ta part, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'elle était prête, hein. Elle était dans ma main, oui. La boule de feu. Je sais, je sais. Ah, putain, j'avoue, là, je te l'ai offert, je suis trop con. Ah, voilà, je suis trop con, je te l'ai offert. Oh, ah oui, pardon. Ah ouais. Attends, parce que en vrai, je commence à avoir un peu peur. Hein. Non, là, t'as plus d'élixir, là. Tu vas pas me la faire. Attends, c'est une blague. Non, c'est bon, c'est bon. T'es submergé, là, frérot. Là, je le sens. T'arrives plus à défendre. Mais attends, mais c'est une blague. Ouh. Ok. Allez, frérot. J'arrive pas. Mais mec, ta défense, elle est trop. Mais t'es trop fort, hein. Je pensais pas que c'était possible d'être fort à ce point-là. Hein. Oh merde! Putain, mais la mousquetaire, c'est trop fort en défense, c'est un truc de fou! Non! Poto, je vois où tu vas en venir là! Allez, frérot! Non. Allez! C'est une blague! Allez! Passe! Mais bordel! Mais ah! Mais gros! Mais gros! Arrête, s'il te plaît, c'est humiliant! On peut s'arrêter là! Allez, l'arrête! Non! Non! Let's go! Let's go! Mais frère, non gros t'es trop fort. Non gros y'a pas à dire t'es trop fort. Alors là vu que je t'avoue que j'y croyais absolument pas quand tu m'as dit oh je sens que t'es dans la merde, j'étais vraiment dans la merde. Mais oui wow. Mec t'as mis, attends tu mets deux roquettes, je me dis c'est bon il a plus d'élixir frérot faut pas, voilà. Tu mets un canon, une mousquetaire, tu cycles un deuxième canon, ça passe pas. Ah frérot. Wow. Bah GG hein. Ah, sur du x7 du coup. Bah sur du x7 voilà. Je suis chaud, on va essayer hein. Mais du coup bah, oui. Je suis moins confiant. Par contre c'était serré, c'était une trop belle game. Ouais. Bon à tout moment par contre elle part sur TikTok hein, t'inquiète. Parce que tu voulais screen apparemment, j'ai entendu ça donc voilà, voilà après t'as vu moi c'était un screen que je comptais garder pour moi tu vois tranquille. Ouais. Bizarre quand même hein. combat amical, x7, tac, voilà. Vas-y, ça part. Fais attention, ça peut être la dernière game. Hein. Ok, c'est qui part. Ah, d'accord. J'aime bien, ça joue la tour du roi. Oh, ah oui, j'avais oublié, on est en x7, putain de merde. Wow. Oh, la roquette trop rentable. Mais gros, il n'y a que des roquettes.
C'est plus dur sans la boule de feu à défendre. Ouais. Ouais, j'avoue. En vrai, je suis limite un peu plus confiant au final. Oh merde, ma roquette ratée, allez, non. Voilà. Voilà, gros. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais te fumer, t'arrives à défendre. Bon, j'ai tapé la tour du roi, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'on est pas à ça près. Ouais, du coup, en fait, au final, la roquette, là, tu l'utilises pour défendre. Ouais, ouais, je suis obligé de faire ça. Ça fait que tu peux pas trop attaquer. Oh merde, ma boule de feu. Mais tu me diras, frère, ça part vite, hein. Ah, le problème c'est que vas-y, c'est long. C'est impassable. Eh, les canons mousquetaires, je vais plus les voir de la même manière. Waouh, ma tour c'est en train de descendre. Waouh. Non. Bah attends, frérot, il y a combien de roquettes? Attends. Non mais il y a le miroir sa mère. Ouah. Non. Ah. Oh, j'étais tellement presque. Ça va, Michou? J'étais sur ta game et tout, là je crois que tu sais plus trois couronnes. Ça chien. Bah gros, franchement, je pense là, je fais une conclusion comme ça, je pense que t'es meilleur. Ah ouais, tu... Vraiment, j'étais pas sûr de ça, moi, au début et tout. Ah gros, non, en vrai, mec, ta défense, c'est... Putain, je peux rien faire. Tu sais qu'à la fin, je voulais faire quoi? Je voulais te finir la boule de feu. Je me suis dit, en fait, faut que je le gratte à la boule de feu plus vite qu'il me gratte à la roquette. Après, à la fin, si tu l'aurais fait, je pense que... Ah, je sais pas, je vais quand même très vite. En fait, le truc, la force du deck là que je joue, c'est que bah, j'ai la mousquetaire et que tu peux pas la tuer. Genre, si tu mets boule de feu, ça, elle meurt pas. Et si ouais. Je la protège derrière, t'es obligé de remettre un zap, sauf que j'en ai déjà une autre qui est installée sur le board. Quoi. Mais oui, en fait, c'est ça le problème. C'est, je la boule de feu zap et il y en a une autre qui arrive et qui fait trop le taf. Ouais, c'est et le canon, c'est comme tu le cycles à fond, mon golem, il peut jamais aller à la tour. Alors, c'est en vrai, juste. Ah, par en contre, vrai, je tryhard, attention. Là, je tryhard sur tous les placements. Là gros, je pense que oui, c'est ça. Là t'es obligé d'être méga concentré quand tu joues ça. De toute façon, en vrai, okay. Deck 2.6, ouais, c'est un deck skillé, hein. Oui, oui, si je la joue en mode normal, enfin comme si je jouais de tout à l'heure là sur nos games avec notre deck préféré, tu m'aurais littéralement détruit. Arrête. Essaye pas de te dédouaner. On sait que t'as failli perdre. Quoi? Non, t'inquiète. Ok. Bah frérot, moi je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Moi aussi parce que les potes, ce soir moi j'ai une soirée d'anniversaire. Je pense que c'est mieux pour moi. Eh mais oui, c'est vrai. On avait failli dégager le live même. Mais oui, c'est de base moi je devais aller au ciné en fait, ouais. Au lieu de ce live et finalement j'ai annulé mon ciné justement pour qu'on vous tienne ce live ce soir parce que c'est compliqué pour Michou et puis bah moi aussi j'ai une vie donc forcément c'est un peu compliqué à chaque fois d'avoir. C'est vrai qu'on arrivait, en fait on a pas trouvé un jour. T'as dû annuler. Bah c'est vrai que t'as quand même un peu du temps de premier ministre, hein, on va le dire, hein, mais. Ouais c'est vrai, je fais pas d'efforts. Et le pire c'est que lundi je suis plus là donc. Ouais je sais, c'est pour ça que. Mais bon, ça on a réussi, en vrai c'était cool. Et je pense que tout le monde a kiffé. Bah en vrai sache que ouais, j'ai trop kiffé le live.
Et gros, bah je te kiffe trop. Bah c'est réciproque. Moi je te suivais déjà à l'époque hein, sur Clash, je te regardais beaucoup. Ah ouais. Ouais bah oui, les délires que tu faisais. Enfin tu vois, moi je prenais pas ça au sérieux parce que forcément, enfin je regardais pas pour le niveau de jeu. Je pense que beaucoup de gens peuvent pas regarder pour le niveau de jeu, mais non, juste bah pour oui. tes quand tu veux pas te prendre la tête, tu mettais ça voilà un petit peu à côté et hop tu regardais, tu tapais une petite barre. Et... Mais je te suis aussi après sur Fortnite. Enfin je te suis depuis longtemps, tu vois. C'est ah, pas. Ça fait plaisant. T'as ouais, tu connaissais depuis Clash Royale à l'époque. Mais même bien moi, tu sais que j'étais choqué quand j'ai repris Clash Royale, que ton nom soit ressorti et tout, et j'étais en mode attends, Walouf, il est encore là. Moi j'avoue, ouais, je connaissais que de nom. J'avais jamais vraiment regardé ce que tu faisais et tout. Mais mais du coup, ouais, quand j'ai revu ton nom, j'étais en mode waouh, il est toujours là et tout. Trop fidèle au jeu. Bah écoute, toujours là depuis le début. Est-ce que toi aussi t'as téléchargé le jeu, genre t'as mis ton App Store en canadien? Oui, au début, ouais, je l'ai installé ouais, à la bêta. Ouais, parce moi que j'ai fait ça. Je jouais à Clash of Clans avant, donc tu sais, ils avaient fait un petit peu la pub du jeu sur Clash of Clans et du bah coup oui, j'ai marqué le jour 1 et depuis j'ai pas arrêté quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah frérot, encore merci pour ce live et merci pour ce que tu m'as mis. Sache que j'ai préféré le 2v2 que la deuxième partie de live, mais... Je peux comprendre. Il y en a plein qui me disent là, ça serait bien une prochaine fois qu'on te coach. C'est vrai qu'il y en a plein qui ont proposé. Bah, je sais pas, ça dépend de Michou après si un jour il veut... Ouais, en vrai, tu sais que moi je suis chaud. Hein. Moi je suis méga chaud. Mais c'est vrai que j'envoie rarement des messages aux gens en mode pour organiser des lives. C'est un peu mon problème. Je suis un peu trop solitaire sur les streams. Au pire, si je vois que tu lèves CR et que je suis dispo, je t'envoie un message. Ouais, de ouf. En plus, là, comme on sait déjà sur Discord et tout. Ouais, ça sera plus simple. Bah écoute, vas-y, carrément. C4, hein. Carrément. Bah déjà, là, demain, frérot, il y a l'affrontement contre Dwagby. Ouais, t'inquiète, je vais regarder ça, moi. Je vais regarder. Et déjà, si je perds, j'aurai besoin d'un coaching, c'est sûr et certain. Et même si je gagne, t'as vu, j'aimerais bien... Moi, tu sais que j'ai un objectif en vrai sur le jeu, c'est que j'ai trop envie d'être dans le top 1000 local. J'ai envie que quand on met classement joueur local et tu descends top 1000, il y a mon nom. En vrai, c'est jouable. Hein. C'est jouable. 6500, là, il faut actuellement. C'est méga jouable. Hein. C'est méga jouable. Il y a un moment, j'avais bien tryhard et j'étais à 200 trophées du truc. Bah après forcément plus tu montes plus c'est dur de s'en trophée tu vois mais... Non en vrai c'est largement jouable là, je peux t'aider clairement là-dessus sans aucun souci. Donc ouais franchement à l'occasion je suis méga chaud. Vas-y bah écoute c'était grave cool, j'espère que vous avez kiffé aussi de votre côté hein, que ce soit sur mon stream ou sur le stream de Michou. En vrai c'était cool, le 2v2 était vachement sympathique après la deuxième partie bah... qui s'attendait à d'autres résultats que ma victoire finalement. C'est vrai, en vrai c'est vrai. Ça me fait un peu tu fais le mec mais en vrai c'est vrai. Non mais je sais, j'aime bien troller ça parce que les gens à chaque fois après disent ouais t'es ultra arrogant, nanana, ça me fait délirer. Ok, mais écoute, bon merci. Bah vas-y frérot, je te souhaite une bonne soirée écoute. D'anniversaire et passe le bon anniv à la personne qui fait ça. Bah parfait, bah merci à toi Michou, puis bah... C'est ton anniv à toi? Non, c'est pas mon anniv, l'anniversaire de la sœur de ma copine. Ok d'accord, bah tu lui diras bon anniv de ma part, je sais pas s'il me connaît mais... Sur monsieur, elle t'inquiète, elle te connaît le nom. Ok, vas-y. Et eh bah, ben, des gros bisous. Bah, bisous, Michou. Bisous, BG. Ciao, ciao. Putain, le boss, hein. Franchement, Walouf, les gars, je le kiffe trop. En vrai, il est vraiment trop gentil. Hein. C'est vraiment une pépite. Je l'avais rencontré en vrai, du coup, il était venu au tournoi d'Inox. Mais bah, vous étiez pas au courant, vous aviez pas vu ni rien. Mais ouais, franchement, je le kiffe trop, Walouf. Il est trop tigeant. Il est trop gentil, trop disponible. Bon, il m'a juste fumé, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez kiffé en vrai? Vous avez kiffé le live, les gars? Moi, j'ai kiffé, hein. Eh, c'était méga bien. Mais honnêtement, pour revenir un peu sur la Royal Crowndown, c'est stylé ce qu'ils ont fait Clash Royale. Et je suis trop content qu'ils fassent des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, c'est récent, je trouve, qu'ils fassent vraiment beaucoup d'événements. Tu sais, ils s'intéressent même beaucoup à la communauté, etc. Et c'est trop bien, c'est trop bien de voir des événements comme ça où tout le monde peut participer. Encore une fois les gars, vous avez un lien dans la description si vous voulez jouer, si vous voulez faire la Crowndown, la Royal Crowndown. Je sais pas le prononcer mais t'as capté.
Coupe-toi les cheveux, Mich, là, c'est grave. C'est bon, demain, je me coupe les cheveux demain. Ah, d'ailleurs, faut que j'organise ma journée de demain. Parce que demain, faut que je me coupe les cheveux. Et oui, parce que c'est vrai que je voulais pas annoncer, vous, les gars. Mais je sais pas si vous avez suivi. Mais Dwagby a lancé une petite série. Dwagby a lancé une petite série qui est très simple. Je dois fumer Michou. C'est vraiment sa série, c'est ça. C'est je dois fumer Michou. Il veut sa vengeance de la finale du tournoi d'Inox. Il veut sa vengeance. Et du coup, il s'est entraîné, il s'est fait coacher par Walouf, etc. Et demain, ça sera demain à 16h. Attendez, que je dise pas de conneries. Twitter. Dwagby. Vers 16h, ouais. Demain, 16h, les gars, sur le live. Je sais pas si ça sera sur le Twitch de Dwag. Je pense que ce sera... Moi, je liverai pas. Donc, bah oui, bah en fait, ce sera forcément sur le Twitch de Dwag. Moi, je liverai pas, les gars, de mon côté. Mais ouais, demain, 16h, sur le Twitch de Dwag, il y aura l'affrontement tant attendu entre moi et Dwagby, la revanche. Dwagby s'est entraîné, on verra bien. Il y a moyen qu'il me fume, en vrai je sais pas. En vrai je sais pas, moi j'avoue là j'ai pas tryhard là, je me suis pas entraîné ni rien. Mais bon, bah, après tu perds pas ton niveau Clash Royale comme ça tu vois. Mais on verra. Bref, bah moi je vous fais des gros bisous les gars. On se revoit plus officiellement comme ça en direct jusqu'à ce que je revienne de l'Egypte. Purée, c'est vrai! Jusqu'à ce que je revienne de l'Egypte, on se voit plus! Eh ben, les amis, comment dire? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce live jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais prendre 10 jours un petit peu de repos. Vous inquiétez pas. Il y aura des vidéos chaînes secondaires. Il y aura des vidéos chaîne principale. Il y aura. Bah, il n'y aura pas de live. Il y aura sûrement des TikTok. Parce que j'en ai d'avance. Il y aura des stories, on verra. Franchement, story, je vous promets rien, mais je me connais, je sais que j'en ferai, même des photos Insta et tout, tu vois. Je me connais. Je pars en vacances en mode je me déconnecte, mais je me connais, gros. Une fois que je vais arriver en Égypte, je vais être en mode waouh, frérot, c'est trop d'art et tout. Attends, wow, les pyramides, y a ça. Oh, mais t'es mal à la chambre d'hôtel de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est sûr, je vais être comme ça. Donc, on verra. Je vous dis, je vous dis rien, mais il y a moyen qu'il y ait des stories, il y a moyen qu'il n'y en ait pas, s'il n'y en a pas, m'en voulez pas. Bref, des gros bisous, vous êtes les boss, et du coup on se revoit officiellement en avril, je crois le 1er avril en fait. Je crois mon prochain live c'est le 1er avril. Je crois que c'est ça. Mon prochain live c'est le 1er avril, frérot. Pas grave s'il y en a pas. Oh, c'est beau. Ça c'est beau. Un chat compréhensible. Bref, des gros bisous les amis. Encore merci à Clash Royale d'avoir sponsorisé ce live. Je sais pas si les équipes Clash Royale. Bah, je pense que les équipes Clash Royale ont vu ce live. J'espère que vous avez kiffé. Et merci de me faire confiance. Vraiment, moi, je suis trop content de pouvoir faire des lives sponsorisés Clash Royale. Puisque c'est un jeu que je kiffe de fou. De toute façon, en vrai, à chaque fois que je fais un truc sponsorisé, c'est un truc que je kiffe, tu vois. Mais ça fait trop plaisir. Merci de me faire confiance. Vous êtes les boss. Et voilà. Des gros bisous tout le monde. Bisous le chat. Bisous bisous. Bisous les gars. Zoubi, tu vas nous manquer. Non, vous inquiétez pas, je reviens bientôt, 10 jours. C'est pas beaucoup 10 jours. J'avoue que c'est quand même un peu long. Mais bisous. Bisous les gars. Bisous. On se revoit bientôt.